Bienvenue, bienvenue en ce jeudi pluvieux. Il y a de la pluie euh, à l'extérieur, mais dans nos cœurs, il y a du soleil. Bienvenue, ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Comme vous le savez, habituellement, bien, il y a un public en délire qui est euh, devant l'autrice ou l'auteur invité et euh, ça fait vraiment toute une différence. Quand vous êtes là ou quand vous ne l'êtes pas. Mais là, on va vraiment faire comme si vous y étiez. Alors, euh, ben, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à nous poser vos questions et à vous manifester. On veut vous sentir vraiment là avec nous et euh, avec Guylaine Gay, aujourd'hui, que l'on reçoit. Guylaine, ben, c'est une fille qui est extrêmement chaleureuse. Vous allez voir, là, mettons là, que vous êtes légèrement déprimé aujourd'hui. Je vous êtes levé ce matin, puis vous avez un peu le moral dans les talons. Je vous le jure, c'est une promesse. Vous allez... Vous ne serez pas capable de, de vous endormir à soir. Je vous le je, je vous dis. Avec Guylaine et Marcia, il y a quelque chose là. Hey, c'est un bon slogan, ça? Ouais. <laughs> Alors, merci beaucoup d'être là. Vous posez vos questions et au fil de la rencontre, euh, euh, Denise va m'acheminer les questions, puis on va euh, faire un bel échange avec vous. Guylaine. Bonjour. Bienvenue. Je peux tu les saluer par ben oui, certain. Salut, ça va? J'ai ma petite tête d'été, mon petit cheveu de, de pluie. Je suis vraiment très heureuse d'être là. C'est magnifique. Euh, merci à Nicole et Jonathan de nous accueillir de si belle façon. Dans ce studio. Et de de te revoir aussi. Oui, qu'on ne s'est est... pas vu depuis un bail parce que on se voit dans les salons. On se voit dans les salons du livre. Puis euh, Guylaine, j'ai, euh, je t'ai reçu en entrevue. À l'émission « C'est ça la vie oui. on », on s'est côtoyés aussi sur des plateaux de tournage. Oui. On s'apprécie beaucoup. Oui, on se ressemble un peu. Oui, on se, on se fait souvent dire hein, ouais. qu'on se ressemble. qu'on ouais. est sœurs de cœur. Oui. Guylaine, tu sais que nous deux ensemble, pour cette entrevue, on pourrait faire genre trois jours Oui. sans même dormir. Ou dormir on... dans ton campeur. Ben, on pourrait. Hein? Oui. <laughs> tu es une personne qui a beaucoup à dire sur la vie c'est une personne aussi qui aime partager ce qu'elle vit, puis pas en termes euh, égocentriques ou en termes de, tu sais, je vais vous photographier ma salle de bain pour le fun, c'est beaucoup en termes de partage pour contribuer à la vie des gens. Je pense que ça, ça a toujours été euh, au cœur de euh, tes activités et professionnelles et personnelles, le partage. On en donnera des exemples bien précis tout à l'heure. Je veux te demander d'entrer de jeu, confinement, Comment ça s'est passé? Hmm. Qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Comment ça va? Confinement, euh, quand, quand l'annonce a été faite, moi, je m'apprêtais à commencer mes tournages de mon émission Des familles comme les autres. Donc, on commençait à tourner le 16 mars. L'annonce a été faite des, des écoles fermées, je pense, le, le 13 presse, mars. Ouais. Si ma mémoire est bonne. Donc, euh, là, je, bon, ben, j'étais comme, « oh bon, j'ai une petite vacances. Hein. » Puis là, j'ai dit, « OK, les écoles fermées, une petite vacances, deux semaines, c'est le fun. Trois semaines, un mois, deux mois. » Et moi, très, très tôt dans le confinement, j'ai établi une routine. Moi, je suis pas, euh, pas caporal guilou, là, mais presque, OK? <laughs> moi, chez nous... Mes enfants sont autistes, les deux, on a besoin de séquences, on a besoin de routines. Fait que j'ai vraiment euh, récupéré ça, puis j'ai fait, qu'est-ce qu'on va faire pour que nos quotidiens soient vivables? Comment je vais faire pour que mes enfants soient dans une routine sécurisante? Donc, j'ai comme pris ça en charge, j'ai fait un carton avec un calendrier de, de confinement, une marche par jour, changer la serviette de la salle de bain aux deux jours, se laver les mains. Écoute, tout était là. Moi, ça, moi, j'aime ça. C'est mon côté monitrice de camp, je te dirais. Fait que tu vois euh... pas ça comme étant. Lourd et euh, tu ne sens pas dépassée par ça? Je, je n'ai pas été dépassée. Je ne te dis pas que je n'ai pas été fatiguée, comme mmh. tout le monde, d'avoir de, de, quand même des rencontres pour le travail euh, en Zoom, là, ce qui n'était pas ma spécialité, euh, oui, quand pis, même. Et euh, oui, d'avoir aussi euh, les enfants à temps plein. Oui, c'est ça. Puis Clovis, euh, il est bruyant, il fait beaucoup de flapping. Ça, le flapping, c'est agiter ses mains comme ça. Ça vient avec un petit bruit très, Clovis, très strident. Ça, quel âge. 17 ans bientôt 18, Léo a 19 bientôt 20, euh, mais ça s'est quand même bien passé parce que euh, je pense que les gens qui euh, vivent un peu la même situation que moi, euh, c'est comme si les gens vivaient un peu comme nous dans le fond, parce que nous on est très, euh, tu sais, on n'est pas des bébêtes sociales. Mes enfants n'aiment pas trop aller dans des événements. Mes enfants euh, aiment leur Routine aiment leur truc euh, tu sais on n'a pas euh, tu on ne part pas en voyage en avion ou rien tu sais notre vie est vraiment simple basée sur nous mêmes oui, sur notre sur vie au le quotidien oui avant la tout, sécurité oui. tout ça fait n'ai j'ai pas été déstabilisée par tout ça parce que ça ressemble un peu à la vie que je vis tout le temps même que j'avais l'impression que les gens étaient moi j'avais un peu cette flexibilité là parce que je suis habitué à me modeler. Ah, Est-ce que des oui. gens euh, t'ont demandé conseil? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé. Euh, bon, là, je suis vraiment, là. j'ai le presto là, qui va, euh, tu sais, ça va sauter. Mes enfants neurotypiques, tout le monde trouvait que j'avais donc du, du courage ou tout ça de faire ça avec des enfants autistes, mais j'ai l'impression qu'eux avaient plus de difficultés que moi, oui. parce que nous autres, un coup, on a fait une séquence, on a expliqué aux enfants ce qui se passait. Ben t'sais, ils, ils ont compris assez vite que c'était pas comme d'habitude, tu sais. Donc, euh, tu oui. un mot neurotypique. J'aimerais oui. ça que tu l'expliques pour les Bien personnes peut-être qui. Oui, ben neurotypique, c'est toi et moi, c'est les neurotypiques, donc neurologiquement typiques et non pas neurologiquement atypiques comme mm -hmm. quelqu'un qui aurait Ouh. une condition neurologique comme l'autisme. Fait que les neurotypiques, c'est 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 nous, puis euh, les neuroatypiques. Ce sont les gens qui ont une condition neurologique différente de la nôtre. Donc, mes enfants autistes ne sont pas neurotypiques, ils sont atypiques. Et euh, le fait qu'ils qu aient 20 ans, 17 ans, ouais. ça te donne peut-être une ben, pas une crédibilité, mais tu as une expérience qu'une mère ou un père de famille d'un enfant de 4-5 ans n'a ou pas. Oui. Puis ça, est-ce que, au-delà de, des conditions euh, de la pandémie, est-ce que ça te confère un un genre de, ben, pas un statut, mais aimes-tu avoir à, des fois, donner euh, des petits euh, cues pour que les, 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 les familles s'en sortent mieux? Ben, c'est sûr que sans le vouloir puis sans l'avoir vraiment demandé, je suis devenue un peu euh, euh, une référence pour les parents comme moi qui débutent dans le milieu, euh, ouais. entre guillemets. Moi, ça fait quand même 20 ans que j'ai accumulé une certaine expérience, euh, certains défis euh, que je ne voyais pas venir, mais maintenant que je connais. Donc, c'est sûr que... T'sais, à tous les jours, j'ai littéralement au moins 10 personnes qui m'écrivent pour me demander ah « oui. mon, mon enfant vit ça, mon enfant vit ça ». Évidemment, je, je réponds à tout le monde, cela dit, mais je n'ai pas toujours la réponse, donc je réfère. Ben, « Tu peux écrire euh, à la Fédération québécoise de l'autisme, sûrement qu'ils que, que, qu vont avoir des réponses pour toi. » Mais euh, ça me fait plaisir, mais tu sais, je l'ai pas recherché. Je ne suis pas là avec un, une pancarte. Non, non, euh, hein. Guylaine, fille d'expérience en autisme là. Quand mais Ça me fait vivaient, plaisir. tu le vivais, toi, il y a des années, ouais. tu le vivais seul, ouais. parce que c'était on, en, on en entendait absolument pas parler. Puis non. ce qu'on savait de l'autisme, c'était très tabou. Hein? Ouais. Hein? Oh. Mais toi, tu le vivais. Je me souviens t'avoir rencontré sur le plateau de La Fosse-Oliane, Puis tu m'avais dit ça. Oh, bon, mes deux enfants sont autistes. Puis on sait, ne sait pas quand une mère de famille nous dit ça, on n'a pas idée. Mm. As-tu contribué à ce que maintenant, par tes témoignages, que les gens qui ont dit, je suis parent de deux enfants autistes, de les gens tout de suite savent? De ben, quoi en je pense qu'on est plusieurs, on est chanceux, on a des tribunes. Je pense notamment à Kim Twee, je pense à Charles Lafortune, je pense à Patricia Paquin, entre autres, qui... Euh, Mathieu Gratton, qui ont. On a des tribunes, nous autres, les gens nous connaissent, on a des plateformes, les gens nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand j'ai su, le quand, quand Clovis a eu son diagnostic en premier, il y a maintenant euh, presque 15 ans, euh, y, moi, il n'y avait pas de littérature vraiment ici que je connaissais à l'époque. Euh, je suis allé lire des trucs en Angleterre. Je euh, suis pas, pas allée en Angleterre. J'ai lu des trucs sur Internet qui venaient d'Angleterre. Quoique j'aurais aimé ça. Puis, euh, mais non, il n'y avait pas grand-chose. Puis puis, puis, J'en ai parlé à la fausse ouais. aux moi, ouvertement. Ouais. J'ai dit « Moi, j'ai des enfants euh, autistes. Léo, je n'avais pas encore le diagnostic, mais on se doutait que c'était ça aussi. » Puis, euh, tu sais, Sophie Préjean, qui n'en avait jamais vraiment parlé, euh, en a parlé avec moi en ondes. Donc, tu sais, c'est vraiment là, le tout début. Mmh. Puis je pense, c'est sûr, avoir contribué à ma façon euh, bien humblement, mais en utilisant ma tribune, c'est certain pour en parler, parce que je suis convaincue que plus on parle de quelque chose, moins c'est rang plus les gens sont ouverts à ça, puis plus on en voit aussi. Moi, mes enfants, ils viennent avec moi. Euh, t'sais, quand je fais des conférences, Clovis fait ma première partie. Oui. Hein? Raconte je... un peu comment ça se passe. Alors, on est allé faire une conférence dans une église à Coansville, par exemple. On va en prendre une euh, dont je me rappelle vraiment. Et puis, euh, tu sais, c'est écho, là, l'église, puis là, as un gros crucifix, les gens, il y a plein de monde, ça. Et là, l'écho, la, puis l'acoustique... La, pour Clovis, qui est extrasensoriel, c'est merveilleux. Fait que là, il se met à crier dans l'église, la, dans la, ça fait bien du bruit. Ben, je coup, donc, je vais faire faire ma première partie. Fait que là, je prends le micro, je dis, Mesdames et Messieurs, ce soir à Counselville, une première mondiale, c'est Clovis Baudin pour vous. Donc, Clovis en va sur la scène, puis Clovis il fait de l'écho lali. Donc, il agite ses mains. Et là, cette journée-là, il répétait beaucoup une comédie musicale euh, de pirate. En tout cas, c'est quelque chose qui l'écolalie. Pour les gens qui ne savent pas, c'est répéter quelque chose. C'est le cerveau qui, qui est imprégné d'une chanson ou qui est imprégné d'un épisode d'un petit bonhomme. Ou de quelque chose qu'il a vu sur YouTube et il le répète. Mais Donc lui il écoute ça, par exemple là, il accroche à ça ah oui. puis il répète. Puis lui répète. ça vient, ça le sécurise, c'est comme une routine sécurisante pour lui l'écho l'Allie. Alors là j il est en avant puis écoute est, il est là, oui oui. three, around, around. » il fait toutes les voix de tous les personnages de la, de la comédie musicale. Et là après j'ai dit c'était mon fils, Clovis Baudin, autiste non verbal. Puis là les gens font comme mais non. Fait que, ça, ça illustre bien parce que ouais. Clovis, il est non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une phrase de façon autonome. Il n'est pas capable de formuler Maman, j'aimerais avoir des toasts. Il n'est pas capable de faire ça. Son cerveau, les, les fils ne sont pas connectés pour ça, mais par contre, il fait de l'écholalie. Donc, il peut chanter une chanson de France d'amour en, en, en imitant la voix de France d'amour et en faisant les harmonies de France d'amour. Donc, ça, c'est l'écholalie. Puis, ça me permet de parler aux gens de ce que c'est tout ça, les oui, non puis les gens, ça Quand versus... ils, auront, quand, quand ça. ils se, se retrouveront au restaurant ou dans une situation... À l'épicerie, quand ils vont euh, en voir un dans l'allée ouais. comme Clovis, le... Comment oh. les gens réagissent? Ah, oh, ben, ils adorent ça, je pense. Puis, tu sais, euh, je pense que ça met en contexte vraiment, parce que moi, je l'explique, c'est une chose, mais quand tu le vois, tu sais, Clovis, c'est un grand gars, là, il mesure six pieds. Euh, c'est un beau gars, il parle fort, mais tu sais. Puis en plus, on était à l'église et Clovis ne peut pas tolérer voir une chandelle allumée. Fait qu'il est tout allé éteindre les cierges. Je m'excuse, Owensville, j'ai tout rallumé j'ai tout repayé, je vous jure. <laughs> fait que quand on, mettons qu on le surveille pas, là, je dis Oh non, il va éteindre les cierges comme de fait. A... Fait que tu sais, mais pour moi, c'est important que les gens voient. Parce que moi, je l'explique, je, je c'est une chose, mais de le voir courir d'un bord à l'autre de l'église avec l'écho dans le tapis, ben c'est un enfant du bon Dieu. Ça fait que, euh, hum. voilà, je ne suis pas gênée de ça. Très touchant. Est-ce que as, le fait que tu sois humoriste, le fait que tu prennes la vie avec un, un, un angle joyeux, hein, tu as, as, as clairement. Euh, Choisis la joie, toi, mm. malgré les moments difficiles. Est-ce que ça t'aide dans ces moments, justement, qui doivent être parfois très difficiles? Oui. Euh, la joie m'a choisi. Parce que moi, j'étais une enfant joyeuse, j'étais une adolescente joyeuse, je suis une adulte. J'ai eu 51 ans avant l'âge. Je suis une préménopausée joyeuse. Mais ça fait partie de ma personnalité. Ça ne veut pas dire que, tu je tiens à le répéter, c'est pas facile. C'est drainant, c'est épuisant, euh, aller chercher des services puis des ressources, moi ça me prend vraiment tout mon jus, c'est là que je suis mmh. moins patiente, mais c'est sûr que la joie et l'humour, je trouve que ça, ça sensibilise sans euh, moral, c'est pas moralisateur, c'est des, des blagues, mais avec mes enfants, Toujours, euh, quand je fais des blagues avec Léo, j'y demande sa permission parce que, c'est de lui que je parle. T'sais. Puis Donc, le message euh, c'est ça? Ouais, c'est encore... ben, que c'est ma personnalité. il y ouais. a des parents qui m'écrivent, me disent, hey, moi, je broyerais 12 heures par jour et c'est correct. Tu sais, c'est. Moi, j'ai pas. Des fois, je suis fâchée parce que, des fois, j'ai moins de patience avec toute la bureaucratie. Puis tout ça, c'est lourd. Mais avec mes enfants, tu sais, c'est à moi de m'adapter c'est mmh. moi l'adulte puis moi je suis comme un peu encore une euh, j'ai suis encore jeune dans mon cœur puis dans ma tête fait que moi je suis la POC. Pis la t'sais. créativité aussi exact t'sais, quand oui. on parle d'humour mais il y a beaucoup je pense que la créativité c'est en hausse oui, c'est la débrouillardise oui. la, 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 la résilience tout ça vient du fait que Peut-être aussi parce que je me connais bien, je connais mes limites, je connais. C'est moi, j'ai besoin de temps seul. Hein, je suis pas des Comment tu fais un... pour en trouver du temps seul, étant avec euh, deux enfants quand même qui, ouais. qui t'en laissent pas de Non, non, qui, qui demandable. s'est Ben, mon chum et moi, on est bien euh, francs sur le sujet. Là. Quand je sens que mon chum est plus fatigué, je prends deux, trois jours. Euh, tu va faire tes travaux au chalet. Après ça, on se passe, euh, on se fait la tagne, puis. Après ça, c'est moi qui prends deux, trois. Moi, je fais des retraites d'écriture. Hein, je suis chanceuse, j'écris. <laughs> fait que des fois, j'écris pas bien, ben, ben. <laughs> Je me repose plus, là, mais ça, c'est un secret. Tu crées des projets, même si jamais hey, ça, Alors, on jamais vu. On va écrire. C'est ça, la, la beauté de notre métier. Moi, je suis chanceuse. Je suis pas euh, de 9 à 5 dans un bureau. Tu ma vie, je la tricote au fur et à mesure. Tu la crées. C'est ça. Je pourrais pas vivre autrement. j'ai Tu fait parles ça. de ton chum, ton mari. Oui. Euh, qui peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est pas le père non. de tes enfants. Et ça, ça ajoute une coche d'admiration qu'on peut avoir pour lui. Pour lui. Oui. Ouais. Parce que c'est comme euh, quand ouais. même quelque chose. Là. Il y a bien des, des hommes euh, qui auraient fait. J'aimerais ça que tu me racontes oui. ta rencontre. Ah oui, avec Steve. Ouais. Alors, mon, mon chum, Steve euh, de Devaldor, Steve avec un E. Je pense que c'est la première enfant qui m'a dit c'est Steve juste un E. Voilà, c'est noté. Merci, c'est bon. <laughs> D'accord. Mais euh, on s'est rencontrés, il y a peut-être, euh, attends, il y a 25 ans de ça, on s'est rencontrés sur, sur j'étais avec mon amie Cathy Gauthier, j'allais voir un spectacle euh, sur Sainte-Catherine. Puis là, elle a vu passer Steve, elle a dit « Hey, pas aucun. Puis elle C'est mon ami Steve! » Ah ouais, vient elle aussi. C'est qu'ils travaillaient, les deux, étaient travaillaient dans un bar à Val-d'Or. Ce sont des amis de longue date. Fait que là, elle dit « Je vais te présenter mon, mon chum Paquin. » Fait que là, elle me présente son ami Paquin. Euh, moi, je dis bonjour, mais ça reste demain. Plusieurs années plus tard, un Steve Paquin me demande en amitié sur Facebook. Et moi, je n'oublie jamais une face. Jamais. Fait que là, je dis « J'accepte la demande. » Puis je dis euh, « Je pense qu'on se connaît. »« Ah, il dit oui, on s'est rencontrés il y a peut-être huit ans. »« Ah oui, tu étais avec Cathy, puis ça. » Et ce qui se rappelait de moi, c'est que je sautillais. Il dit « Moi, je me rappelais de toi comme quelqu'un. » de bien joyeuse puis tu sais sautait puis il me va à la télévision puis ça pis ce qui est drôle c'est qu'il pensait que j'avais une secrétaire qui répondait à mes messages Facebook donc qu il quand passait, tu lui as a... répondu il savait... non il pensait pas que c'était moi <laughs> tu sais il pensait qu'il s'adressait euh, à, à, à Laurence ma secrétaire ben non c'était moi puis là on est allé prendre un, un, un café ensemble euh... Mon instinct m'a dit euh, ce gars-là, il me semble. Puis Cathy me dit Oui, oui, euh, c'est un bon gars, il a des belles dents. Euh, bon, écoute, ben, c'est bon, on va, va s'aligner bon ces belles dents. On s'en va, va, va là-dessus. Euh, bon. Et là, euh, on est allé prendre un café. Là, je dis, moi, Steve, je te le dis. Tout de suite d'emblée. Moi, je suis humoriste, obèse. J'ai deux enfants handicapés. Si tu veux t'en aller, c'est le moment. Puis là, il est parti à rire, puis il m'a dit, Guylaine, je suis bipolaire. Fait que là, on est parti à Ré, puis là, j'ai fait « wow, quelle franchise », tu sais, puis vraiment, ça m'a plu. Bon, évidemment, je suis allée googler bipolaire pour savoir que c'est <laughs> dans quoi je m'embarquais. <laughs> puis euh, non, finalement, on était, après ça, on s'est revus, puis euh, on s'est mariés même pas un an après. Il m'a demandé en mariage à Noël, puis là, j'ai dit « oh ». 44 années, deux enfants autistes, ça ne repassera pas deux fois, c'est oui tout de suite. J'ai accepté. Puis là, on va fêter notre huitième anniversaire de mariage. Mmh. Mais ce n'est pas le père de mes enfants, mais il s'entend bien. Puis voilà, c'est une bonne équipe. On est une bonne équipe. Tu dois être euh, source d'inspiration pour bien des femmes qui disent « Ah, ça se peut ». Ben oui. J'en rencontre plein dans les salons là, qui, qui me disent Il n'y hey, a pas un frère ou il n'y a pas ouais. euh, C'est sûr que ce qui est admirable, c'est que euh, comme lui est arrivé dans nos vies, puis que les garçons étaient déjà, euh, Clovis avait peut-être 8 ans, c'est ça, 8 ans dans ce temps-là, puis Clovis portait encore des couches. Euh, C'était pas, euh, pas la simplicité là, dans il fallait que j'explique. Que comment est-ce qu'on fonctionnait. Puis, Léo parlait de potions de y fait dix ans. Puis bon, c'est un. Mm -hmm. C'est C'est beaucoup de particularités, mais Steve est arrivé vraiment le cœur ouvert. Puis il a fait Moi, je les aime, ces enfants-là, parce que mes enfants n'ont pas d'attente. Hein. Mes enfants, là, c'était Steve C'était pas le beau-père où il a pris la place de mon père ou c'est même trop abstrait pour eux autres. Ce sont des notions très complexes, inventées par les neurotypiques. Hein? Fait que. Steve est arrivé là-dedans, son nom c'est Steve, puis voilà. Ça fait que ça, ça, ça va super bien. Puis Steve, puis Clovis, c'est comme. Un... C'est. tu sais, c'est lui, c'est Steve qui fait les démarches. Léo est en train de faire son cours de conduite. T'sais, donc, vraiment, ça m'enlève, ouais, moi, des trucs. Tu ouais, euh... figure paternelle aussi. Ben qui... oui, ben oui. Euh, ben, le père de mes enfants, ouais. Stéphane, est là, mais il ne vit pas avec nous. C'est au euh, quotidien, là, il est bien. Ça, bien, bien et puis au chalet, il apprend à Léo comment faire des, des petits traîneaux, puis tout ça. Donc, euh, c'est très attendrissant pour moi. C'est sûr que je l'aime encore plus. Puis, tu sais, pas parce que les gars sont devenus presque adultes que c'est plus simple. Hein? C'est encore compliqué. C'est encore. Qu'est-ce qui se complique, qui te surprend, que tu pensais que ça se ça oh. se simplifierait, que là c'est l'inverse. J'ai un mot pour toi, Marcia. Puberté. <laughs> Puberté. Hein? Ouais, on, on est là-dedans. J'ai là, des images. Avec là. Clovis là, écoute, Clovis, il est non verbal. C les concepts abstraits sont très complexes pour lui. Euh, C'est des pictogrammes dans la maison qui identifient où on peut se masturber, où on ne peut pas. C'est des choses que je ne pensais jamais imprimer sur une imprimante, un petit pénis avec une barre dessus, moi. Hein Voilà. Mais oui, c'est ça que je fais dans la vie. Moi, je suis une fille qui imprime des pénis. Mais tu sais que c'est pas dans le mode d'emploi. Ok Ça, ça arrive quand ça arrive. Et heureusement que j'ai des amis qui ont des enfants autistes de l'âge des miens avec qui je peux jaser de ça parce que vraiment ça, ça m'a pris de court. La puberté, là, c'était Spectaculaire. Puis est-ce que ça, ça répond bien, le petit, petit diagramme? Ah oh oui. Il est respecté? Oui, Clovis, aussitôt qu'il y a une, une, une référence visuelle pour Clovis, ça, il comprend tout de suite. Donc, euh, les petits plaisirs personnels, c'est là que ça se passe. C'est <laughs> pas là que ça se passe. C'est surtout pas dans l'auto, parce que c'est déjà arrivé souvent en auto que les gens me klaxonnaient parce qu'il se passait. Euh, il y avait de la business sur le banc en arrière, puis moi, je conduis, fait que je ne le vois pas, fait que là, les madames sont bien <laughs> pour là, je suis comme, ouais, mais là, je, là, je, oh, je oh, le sais Je suis comme, oh, Clovis, vraiment? c'est ça, c'est des repères visuels qui sont très abstraites pour les gens qui ne vivent pas ça, peut-être comme vous où qui regardez. le dans l'auto sur le dossier ben, du le Dans l'auto, il n'y en a pas, tout okay. simplement. Fait que là, on met des pictogrammes où on peut, parce qu'au début, on avait mis où on ne pouvait pas, mais ça le mêlait. Fait que là, on a enlevé les pictogrammes. Ah. Fait que c'est juste où on peut. Fait que c'est dans sa chambre. T'as enlevé le X. À son ordinateur, mmh. comme, comme mmh. plein de monde. Là. Oui. Ça ne diffère pas de, 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 il a de plein, plein de monde. Exactement. Mais tu vois, il n'y a pas de pictogramme au-dessus de son lit. Parce que dans son lit, c'est dodo. Sinon, ça va, ça va mêler les oui. routines. Mmh. Mais tu sais. Moi, premièrement, je suis une fille. Là, fait que euh, tout ça, cette mécanique-là, ce n'était pas mon, euh, ma business à moi. Mais voilà. Fait que. Euh, ben, écoute, c'est tellement. Écoute, c'est tellement absurde. Là, à un moment donné, j'étais en, plein, en pleine réunion Zoom pendant la COVID. Et là, j'entends Clovis <coughs> tout sauter de sa chambre. Puis, je suis comme, hey, excusez-moi, les amis, je reviens. Puis là, je en plein gros meeting important. Puis là, j'ai « faut je vous laisse. Là. Clovis a mangé son pictogramme de pénis. Là, il s'est étouffé. Puis, hey, ça t'arrête ça, ça un, un meeting Zoom assez rare, hein? Mais, mais c'est ma réalité. C'est ça qui ouais. se passait. Mais, ben, c'est sûr que c'est comique, mais c'est ça, c'est la réalité. Puis moi, je suis jamais gênée de, de, de le dire de même, parce que moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Là. Mmh. Personne m'avait prévenu de ça. Fait que... Fait que, voilà. que c'est un, une petite parenthèse, mais qui va durer encore ouais, quelques ça peut années. Sembler, ça peut sembler anecdotique, mais ça ne ben, l'est pas parce que c'est ton quotidien et c'est ce que tu as oui. développé aussi. Ben oui. L'inattendu, puis... puis trouver des moyens très oui. concrets. Ah, des fois, je dirais tout seul. Là. Sérieusement, là, j'écoute <laughs> hein, j'étais devant mon ordinateur, puis il fallait que je trouve un, un pictogramme ou une image de un macaroni au fromage pour euh, coller sur le mur pour qu'il puisse manger son macaroni-là et je cherchais en même temps un pictogramme de pénis pour fait que là, je suis comme je dois être la seule fille au monde à photocopier un crabe des et puis un pénis dans la même journée mais tu sais ça me fait rire je suis comme ah oh, ouais wow, quelle vie quand même mais, mais ça me fait ça me fait rire puis cette vie là et cette approche là que tu as eu à développer on la sent tellement bien dans le livre Clovis euh, Clovis est toujours tout nu. Clovis est toujours tout nu. Oui. C'est un livre, euh, petite anecdote. Vous aimez ça, les anecdotes? Mon petit-fils Gustave, qui a cinq ans, euh, j'étais parti dans un chalet rejoindre ma fille avec le livre de Guylaine. Et euh, je lui ai lu, mais j'avais comme une quinzaine de livres pour enfants, me disant on va se faire une séance. Mais j'ai lu 17 fois le même livre et c'est le livre de Guylaine. Clovis se promène toujours tout nu. C'est raconté d'une façon que, premièrement, on comprend le petit gars, on comprend qu'il est différent, puis que finalement, il n'est pas si différent, mais il y a des particularités qui font que... Puis, c est, c est, c est, je vous le dis là, il faut que vous lisiez ce livre-là à vos enfants, parce que ça ouvre à la discussion. Mm -hmm. Ça ouvre. Moi, Gustave, il me demandait, il disait, il m'appelle Mère Grand. Mère Grand, mais le petit garçon, là, Clovis, là, il m'a posé des questions sur Clovis pendant deux jours de temps, mais il me posait aussi des questions sur la différence. C'est ça qu'il m'adressait comme question. Que c'est un outil. Tu ne ouais. l'as pas fait comme ça, je pense, non, mais c'était vraiment un outil d'échange avec les enfants par rapport à ce thème-là. Ben, je trouve que les enfants, c'est c'est l'ouverture d'esprit euh, à son meilleur. T'sais, rendu à nos âges, euh, des fois, on est campé dans nos positions. Ou nos peurs. Nos peurs, ou nos, nos, ou nos craintes. Euh... Je, vais, je vais... Oui. Tu veux, tu je, je vais montrer deux, trois images pendant que tu, tu, je, je, tu voilà. parles. Voilà. Mais c'est sûr que dans le livre « Clovis est toujours tout nu », on n'a jamais nommé que l'autisme, on on dit jamais qu'il est autiste, sauf que Clovis ne parle pas. T'sais, il dit pas un, Il dit un mot dans, dans le livre au complet. Puis euh, c'est vraiment, euh, c'est parti de, du fait que Clovis, c'est une histoire vraie. Là. Clovis se déshabillait vraiment partout. On allait à la piscine publique. Je me revirais. Clovis se ramassait tout nu, les, le, le maillot dans le fil de piscine. Écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas vécu. À l'épicerie, flambette dans l'allée des biscuits. Oui, euh, ça c'est ouais, moi. Euh... Ça, c'est Orbi qui fait les illustrations, Orbi avec qui euh, c'est vraiment un charme de travailler, qui a vraiment compris la douceur du personnage de Clovis, puis sa dimension aussi. Euh, vraiment humaine. Tu sais, C'est un petit gars qui ne parle pas, mais on comprend vraiment. Ouais. Tu sais, quand vraiment. C'est réussi. C'est un ouais. des, des, des plus belles albums. Ah, oh, t'es euh, J'en ai lu. J'en je ai lu. Oui, je oui, sais que tu lis beaucoup. Oui, J'ai même envoyé une photo à Guylaine. Oui. Ça fait quoi, deux semaines de ça? J'ai envoyé une photo de Gustave qui est en train de lire le livre et qui se peut plus. Gustave qui ressemble quand même un peu à Clovis oui, sur le, le personnage de Clovis. Effectivement. Là, ouais. Guylaine, la femme. Oui. La femme. Là, la mère de Clovis, la mère de Léo, ouais. la blonde, de, la femme ouais. de Steve, euh, ouais. l'animatrice. Ouais. Guylaine, juste Guylaine, même pas l'autrice. Non, Guylaine. Guylaine, oui. Elle est où dans tout ça? Ben, elle est au centre de tout. Guylaine, c'est la plus importante. Guylaine, c'est elle qui, qui fait attention à sa santé, qui. Euh, médite, qui marche, qui fait du kayak. J'ai acheté un kayak cette année. Euh, le ski de fond aussi. Hein? Le ski de la marche nordique. Moi, j'adore la nature. J'étais monitrice de camp pendant très longtemps. Puis, euh, le, ce contact-là à, à la nature, euh, moi, j'aime beaucoup euh, 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 la naturopathie. J'aime les produits naturels. Pour vrai, je fais ouais. vraiment attention. Je prends. Euh, C'est sûr que quand les gens me voient, comme, tu sais, j'ai un corps plus gros que, que les autres. On présume immédiatement que je ne suis pas en santé. Puis ce n'est pas vrai. Moi, je suis en santé. J'ai une très grande vitalité. Et pour moi, la vitalité, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Tant que j'ai ma vitalité, toutes les autres sphères peuvent fonctionner. Mais il faut bien que j'en prenne soin ouais. moi-même. Donc, tu sais, te placer au cœur ouais. de ta vie. Oui. Et qu'est-ce que ça requiert, ça? Comme, pré, comme engagement. Ben, il faut le nommer, il faut se le dire, il faut faire un pacte avec soi-même. Tu vois quand la pandémie a commencé, moi je me suis dit à tous les jours je commence la journée avec un smoothie vert, ok C'est ma petite contribution pour moi-même. Et je à tous les jours j'ai pas raté une journée depuis quatre mois maintenant, puis j'adore le smoothie, puis euh, il n'y a pas besoin d'être rose. Là. Moi, mon smoothie, il est vert foncé. C'est vraiment de la tourbe. Là. Ça goûte le kale. C'est pas bon. Il y a du curcuma, des racines de curcuma. Il y a du gingembre. Il y a du kale, parce que les gens vont me demander ma recette. Je sais comment vous êtes. Euh, euh, des courgettes, du citron. Euh, Puis, tu sais, c'est dans le blender. C'est vert foncé. Puis, je bois ça. Puis là, je me dis, pour toi, Guylaine. Pour vrai. Moi, ça, ça me fait vraiment du bien. Fait que, tu sais, c'est... Je pense que ce, je travaille à ça. Moi, je ne veux pas convaincre les gens que je suis en santé. Moi, je connais ma vitalité, là, puis mon mm -hmm. ostéopathe le sait. Là, elle sent mon énergie passer dans mon corps. Puis elle est, elle est toujours impressionnée de cette énergie-là. Puis moi, je veux garder ce niveau d'énergie-là qui fait que je vieillis en beauté, puis que je tu sais, je, vieillir, ça ne me fait pas peur. C'est un privilège. Tu viens, là, justement, 51, de, une ouais. année quand tu as eu 50 ans. Oui. Il y a eu quelque chose en toi qui s'est passé, hein, en termes du, du fait que tu avais perdu ta oui, soeur. Oui, c'est ça, bien, que vieillir, c'est un énorme privilège. Et moi, j'en je, veux un peu à, à, mon, à mon domaine qui est un... Mais maintenant, je dis mon domaine, mais c'est pas mal tous les domaines qui sont des domaines d'image. Et moi, je veux... Et je, je, faites ce que vous voulez avec vos faces. Là. Je ne suis pas là en train de vous dire quoi mmh. faire avec vos faces. <laughs> Mais la mienne, elle va rester de même. Puis elle va descendre un petit peu. Puis je, je, je l'anticipe avec bonheur. Moi, j'ai ma sœur, qui était ma, mon unique sœur, France qui est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 43 ans. Il y a maintenant quatre ans de ça. Ça a été un méchant coup. Là. Vraiment, ça a été dur. J'ai eu de la peine. Mon corps s'en est ressenti. J'ai eu un œdème à la jambe. Toute ma, toute ma peine s'est ramassée dans mon mollet. Tu sais, quand on dit que le corps, là, ça, mm. ça réagit. Ben moi, j'ai eu très mal à la jambe pendant presque deux ans. J'ai pas bougé beaucoup. Euh, fait, que moi, j'ai vu quelqu'un de 43 ans mourir, là. puis une sapristi de belle fille. Là. Si tu penses que moi je suis cute, ma soeur, c'est toute une beauté. Là. Puis tu sais, moi j'ai vu ça. J'ai vu c'est quoi la vie qui s'en va de quelqu'un. Puis j'ai dit, j'ai dit à ma soeur que j'allais vivre pour deux. T'sais. Puis jusqu'à maintenant, je relève bien le défi. Puis euh, c'est sûr qu'il y, y a toujours cette tristesse là, mais il y a aussi ce moteur de ah oh ben moi j'ai envie mmh. tu sais parce que il peut y avoir tu sais comment ça se fait que c'est pas moi hein ma soeur des deux là ouais, elle, on appelle ça le syndrome de la survivante ben c'est ça T'sais, moi j'étais la survivante puis en plus c'est moi j'étais la blonde j'étais de bonne humeur tu j'avais ma sœur c'était plus la, ma soeur était plus timide ma sœur c'était une artiste peintre était un petit peu était intense puis ça puis moi j'étais comme ma mère disait toujours que elle c'était sa lune puis moi son soleil mmh. ben, on était très complémentaires mais donc euh, tu quand j'ai fait euh, mais moi je me je me donne le droit de vivre ces affaires là tu la peine, ben, c'est de la peine. puis la Puis, tu sais, il faut que ça sorte. Puis, tu sais, la colère. Mais, la... ben, tu sais, j'ai pas souvent des colères pour les choses que la vie m'apporte parce que je peux rien faire. Mmh. Tu même si je me choquais, tu sais, même si j'étais fauchée ah, noire, à la vie, que ma soeur moi? meurt tu sais. pas du genre « Pourquoi moi? » Jamais, jamais. Je me dis jamais ça. Pourquoi, tu sais, même quand... Tu sais, quand ma soeur m'a annoncé qu'elle que, que, qu avait un cancer en phase terminale, tu sais... Ben là j'ai fait OK bon ben moi j'ai pas ça puis tu sais j'ai fait un rêve au début je me suis dit oh, ben peut-être qu'on peut être les deux parce que c'est un gène euh, c'est un, un gène modifié là, qui a causé ce cancer là peut-être que je suis porteuse de ce gène là aussi mais là j'ai fait un rêve puis moi je suis bien proche de mon subconscient hein, mon subconscient puis moi on se jase un peu dans mes rêves puis j'ai rêvé que je, pour l'instant c'était pas ça fait que voilà puis je, je, je prends l'opportunité de, de vivre. Tu sais, c'est comme c si un cadeau. tu t'as réalisé, tu le savais avant, mais là, tu l'as intégré. Ouais, cest ça. On n'a pas le droit de se gâcher la vie. Ben non, puis tu sais, moi, je ne moi, demande jamais la permission aux autres de vivre ma vie. Quelle perte de temps que de faire plaisir aux autres ou de plaire aux autres. Je ne dis pas que j'aime ça que les gens m'aiment, mais. C'est pas ça que je demande. Ça arrive. Je pense que ça arrive parce que je le demande pas en plus, parce que moi j'ai pas tant besoin. J'ai pas besoin de l'accord des autres. C'est que le regard des autres, puis le jugement des autres, toi ça, ça, ça vient pas te. Mm. Ça t'affecte pas. Pas en tout. Ça c'est depuis petite. Ah, ouais. là, même quand j'étais petite, le maman disait tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins t'sais, moi je me déguisais, puis t'sais, des petites bobettes lilas, puis je mettais du tulle, puis tu sais, j'étais bien flanquée. Ça vient d'où je le sais pas, je le sais pas. Je, maman et mon père, c'était quand même des gens. Mon père était quand même créatif. Maman était, mettons, plus sociale, mais, mais j'étais vraiment un mouton blond dès le. Je me rappelle à 4 ans. J'étais petite, quatre ans. J'avais dit à mes parents, j'habitais à Ville-la-Salle. Là, je m'en vais voir euh, Le Magicien Doz, ça joue au sol d'église. Je m'en vais là tout seul, ça coûtait cinq cents de rentrer. Le film. Le film Le Magicien Doz. Puis là, je suis allée là tout seul à quatre ans. Ben, J'ai appris comme 30 ans plus tard que mon père m'avait suivie et était caché <laughs> en arrière. Mais fait que tu qu avais une... le sentiment du possible. Euh, et moi, j'étais libre. J'ai toujours été libre. J'ai une liberté que je ne sais pas d'où ça vient, mais. Oh mon... Euh, je suis vraiment contente de... Puis ça me peine de, de voir souvent des... Je vais dire des filles parce que, tu sais, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tu sais, des filles qui, qui, qui se font violence puis qui veulent se ressembler, puis... Moi, je suis tellement contente de ne pas ressembler à personne d'autre que Marcia. <laughs> <laughs> C'est très drôle! On disait ça avant qu'on entre en ondes. On racontait que souvent quand on se fait, moi je dis à tu t'es la seule femme à qui on me dit que je ressemble, que ça me fait plaisir. Souvent quand quelqu'un nous dit, hey, tu ressembles à ma cousine ou tu ressembles à ma voisine, là tu vois la dite voisine ou la dite cousine, tu fais Ah, euh, pas ça. <laughs> J'espère que. <laughs> ou ça euh, est... Mais je pense que des fois les gens disent ça à cause de l'énergie. Oui, peut-être. Moi, aussi. Je, des fois je dis, oh, ok, on se ressemble pas tant. À part les cheveux, là, Des fois, là, comme tu sais, dans le milieu artistique, ouais. là, combien de fois les gens viennent me dire quand je suis dans les salons du livre, hey, « ah, vous étiez super bonne dans la Bolduc. » Ah ouais. Ben c'est pas moi <laughs> qui jouais. C'est Debbie, Debbie Lynch qui jouait dans la Bolduc. Mais hey. ben, tu sais, les, 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 les teutounes blondes, là, tu sais, il <laughs> y a Debbie, il y a Sonia Vachon, il y a Kathleen Fortin, il y a euh, Geneviève Schmidt dans District 31, puis Valérie Blais. Valérie Blais, puis moi, là... Souvent, les, les gens, gens disaient, vous... ah, tu étais super bonne dans, euh, dans, dans l'émission, là. Ah, mais oui, mais oui, on est blonde et nous sommes d'odus, mais nous ne sommes pas toutes la même femme. Parle-moi parle <laughs> de, de ton rapport à ton corps, parce que ton ouais. rapport à ton corps, il est absolument fabuleux et, et on voudrait t'entendre en parler des heures et des heures pour qu'on catche quelque chose. Moi, tu m'as fait bien, bien ben avancer. Je t'avais entendu dans une entrevue à un moment donné. Pis, tu sais, c'est beau comment en parles, puis c'est c'est assumé, puis ça donne vraiment envie de le vivre aussi, ça. Ben, j'aime mon, mon corps, j'aime mon corps, tu sais, mon corps, c'est mon corps, c'est comme la machine qui m'a été donnée en cadeau que j'honore à grands coups de smoothie au kale. C'est <laughs> ma façon de le faire, je marche. Puis même si je ne faisais pas ça, c'est mon corps et je ne demande pas la permission à personne pour aimer mon corps. Euh, J'ai écrit un texte sur la graisse euh, qui est sur les réseaux sociaux ouais. qui a beaucoup circulé, qui s'appelait ma, ma graisse, est un poème et qui disait aux gens mais mmh. qu'est-ce que tu, pourquoi tu en veux autant à mon corps, T'sais, pourquoi tu veux le faire fondre, tu veux le charcuter, tu veux le ci, tu veux le ça, c'est 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 moi je me je me barricade de ça moi c'est moi qui est dans le, le, le bureau avec mon médecin mes bilans sanguins sont top j'ai pas de diabète pas de cholestérol pas de cancer parce que je veux, veux pas j'ai des examens à chaque année et c'est mon corps c'est mon c'est ma machine puis je bouge bien puis j'adore mes cheveux ouais. j'aime mes yeux j'aime comment je bouge je, je, je trouve que je... Je suis gracieuse, tu sais. Et ça, j'avais 15 ans. Tu sais, à 5 ans, je prenais des cours d'expression de, corporelle avec des adultes. C'était moi, la petite potelée parmi les madames qui sentaient le parfum, qui faisait de l'expression corporelle. Parce <laughs> ah, que j'aimais ça. Avec des bas de réchauffement, ballet ben de jazz. Aye, avec le Léotard, <laughs> rentrer dans le crack, tout, c'était formidable. Ben, J'ai demandé à ma mère de faire ça. Maman était là, mais ben, voyons. Parce que personne dans ma famille était bien ou conscient de son corps, tu sais, puis moi, déjà, j'ai dit ça, puis moi, j'avais une connexion, là, tu sais, j étais, j étais, moi, j'étais connectée avec Dieu, j'allais, tu sais, moi, j'aimais ça aller à l'église, puis j'étais enfant de cœur, puis bon. Puis j'ai dit, aïe, hey, lui, il fait confiance, puis il m'a donné cette rutilante machine, aïe, hey, je vais faire de quoi avec ça, tu sais, fait c'est comme mmh. ça que... Je trouve ça vraiment dommage qu'on mette les gens dans des casiers, que les gens, en me voyant, présument que je suis paresseuse, que je n'ai pas de volonté, que je ne suis pas sportive, que je mange mal, que je déjeune à peau de poulet frite. T'sais, moi, ça, ça t'appartient. Moi, moi, je sais que c'est pas ça que je fais, mais je ne veux pas te convaincre de ça. Tu veux à pas chacun, convaincre, puis c'est bien? Pis, mais ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu sensibilises. Ben tu oui. prends la parole. Ben c'est pas oui. Facebook, mais c'est important ben qu oui. que tu ben fasses oui, ça. mais c'est que je trouve que les gens sont ultra violents. En ce moment, oui. euh, il y a vraiment un contexte de grossophobie qui est, qui est très présent, euh, qui est très dommageable pour les, les jeunes. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes, des garçons, des filles dans les salons du livre. Pis Sais, qui viennent me voir, hey, moi je suis contente que quelqu'un dise, euh, on a droit d'être. Mais moi j'y trouve beau les jeunes parce que ils sont chanceux là, il y a comme une vague de, de, d'estime de on, soi, on, on de, diversité, de diversité, on est comme ça. Et je tiens à le dire, être gros c'est pas nécessairement ne pas être en santé. Mmh. Hein? L'obésité c'est un facteur parmi tant d'autres. Moi je fume pas, je bois pas d'alcool, j'ai aucun, je bois pas d'alcool. Je prends pas de, de drogue, je prends quelques produits naturels puis du smoothie vert. Sacrez-moi mmh. patience, s'il vous plaît, sur le fat shaming. Parce ouais. que moi, tu ne vis pas ma vie. Je trouve qu'on se fie vraiment beaucoup trop juste à ce que quelqu'un a l'air. Ah, oh, est mince, mmh. c'est sûr qu'elle elle a gym. du mérite, Ben non, ouais. elle est peut-être juste née mince. Moi, ça, ça donne que je suis née grosse. J'étais mmh. un gros bébé. Pis la valorisation gros... aussi d'un seul type de corps. Quand, quand Guylaine parle de fat shaming, ça veut dire de, que, que toute forme de, 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 de corps qui n'est pas selon le modèle débile qu'on connaît, là, hein, qui, qui est vraiment euh, inacceptable, l'IMC et tous ces barèmes-là qui sont absolument euh, inacceptables. C'est réaliste, surtout. Ben, le fat shaming, c'est que si un corps s'éloigne de ça, surtout un corps de femme, ben, il est source de honte et on va lui renvoyer l'idée qu'il euh, devrait avoir honte. Donc, tu devrais avoir honte, tu manges juste du chocolat, tu devrais avoir honte. Puis, même, euh, ça va, puis ça, c'est la grossophobie, ça va mmh. même jusqu'aux soins médicaux. Euh, il y a eu plusieurs dénonciations concernant le milieu de la santé, que les personnes qui avaient un, un surpoids, selon l'indice débile, ben euh, je faisais euh, ça même n'avait pas de soins n'avait pas de soins puis avait aussi des remarques dans le cabinet tout à genre fait, vous tout devriez en avoir fait. rendre puis ça tout on en a fait. tous et toutes été victimes puis c'est c'est pas acceptable fait que quand on va commencer à le dire que c'est pas acceptable et que ce n'est pas attribuable seulement à la paresse. De... C'est mmh. vraiment important, des filles comme moi, toi. Moi, je, je pense qu'il y, y a un mot qui est très précieux qu'on oublie souvent dans, dans tout ce discours-là, qui s'appelle le métabolisme. Et chacun a un métabolisme différent. Mmh, mmh. Et, et moi, moi j'étais passionnée de livres de médecine quand j'étais jeune. Et quand j'ai lu ça, ça a comme fait Ah, oh, ben, j'ai le droit d'être comme ça. C'est mon corps, c'est mon métabolisme, c'est comme ça. Merci. Mais tu sais, je ne le fais jamais dans la frustration, Marcia, parce que pour moi, moi, j'aime ça faire les trucs, j'aime ça dire les choses avec douceur, ouais. avec amour, avec tendresse, puis aussi avec humour. Fait que tu sais, c'est jamais comme vindicatif, les façons dont mmh, je revendique. Mmh. Puis avec aussi euh, l'expérience intérieure ouais. que c'est ce que tu vis, parce oui. que tu remarqueras les gens qui, qui sont très. Euh, euh, vindicatif ou vindicatif, le message passe moins. C'est pas que c'est pas bon d'être ben de, de, de péter une coche pour des ben choses non. inacceptables, mais puis moi je suis pas en train de dire que quand on a un message à faire passer, il faut le faire avec le sourire. On peut le faire avec un coup de poing, euh, ben ça oui. n'a pas de problème. Mais quand il y a une petite coche du ça veut dire que c'est très assumé, ben oui. puis qu'il y a personne qui peut. Euh, ben non. Puis moi, sais, moi j'aime ça. Là, là j'ai découvert la marche nordique. Là. Écoute, euh, j'ai des pôles, je me promène dans le bois. Puis moi, ça me rend heureuse, la marche nordique. Puis euh, euh, c'est cardio en tabarnouche, là, ben oui, la marche nordique. Puis, moi, je suis une grosse fille qui marche dans la neige. Moi, je trouve ça beau. Je suis une fille de Calais, moi. Là, là, J'adore ça. Hein. Puis je prends <laughs> des photos parce que... Mm. On est plein de grosses. Puis moi, j'ai pas peur du mot grosse, 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 grosse. C'est grosse là, c'est un qualificatif comme un autre qu'on a démonisé mm. et qu'on a rendu. Quand j'étais jeune, puis m'appelait la grosse, c'était nécessairement dégueulasse. Mais c'est juste comme As -tu la blonde. As-tu de ça quand tu étais jeune? Ben, c'est sûr à que primaire. à répétition. Mais moi, j'avais la chance d'être vite, puis d'être drôle, puis d'être, d'avoir une vivacité d'esprit. Euh, plus euh, plus développé que certains. Fait que c'est sûr que moi je les ramassais bien plus vite qu'ils revenaient. Tu la balle à la... j'étais vite. Tu fait, fait, fait que... pas, euh, pas, pas le soir chez vous roulant en non. boule. J'ai euh... pas souffert de ça euh, mais euh, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de peine pour les autres parce qu'il y en avait d'autres des on était peut-être quatre gros à mon école, tu Puis moi, j'allais toujours les chercher parce que ça me faisait de la peine. Mm. Moi, j'étais plus moi, j'étais plus vite. J'étais drôle. Tu étais, pis... étais outillée. Moi, j'étais outillée. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a beaucoup de peine pour son enfant qui arrive de oui. l'école en, en, euh... en complètement défait, défaite, parce que, que... Il ben... faire du, bo du, du body shaming? C'est ben, sûr que je, je, je pense que je, je, je lui parlerai de modèles intéressants. D'aller chercher ensemble des modèles de personnes. Euh, en ce moment, il euh, y a une danseuse aux États-Unis qui fait du hip-hop. Je ne me rappelle pas de son nom, mais sur Instagram, c'est une mine incroyable de personnes euh, toutes dans la diversité corporelle qui accomplissent des choses. Puis euh, ça, je trouve que c'est une force pour la, cette génération aussi d'avoir des, des tribunes, mmh. d'avoir des modèles. Parce que moi, quand j'étais jeune, là, il y avait euh, Ginette Renault qui passait à la télévision des fois mais qui se faisait toujours dire qu'elle était grosse. Puis tu sais, c'était jamais comme d'une bonne façon Grosse, c'était gros, c'était toujours mauvais. Ouais. Toujours puis tu sais, gros c'était jamais synonyme de belle. Grosse ça voulait dire tu étais pas belle. Tu sais parce que mettons une fois il y a un réalisateur, j'ai compter déjà cette histoire là mais il y a un, réalisa un réalisateur qui cherchait un metteur en scène qui cherchait sur Facebook, il avait écrit Je cherche une belle fille pour mon ma pièce de théâtre cet été. Fait que là, moi, je suis comme, ben, ben moi, je suis une belle fille. Fait que j'ai écrit, je disais, hey, moi, j'aimerais ça, j'aimerais faire du théâtre d'été. Plaisir. Ah, oh, c'est gentil, Guylaine, mais je cherche une belle fille. Ah, mon Dieu. Tu sais, j'étais là, OK, ben, tu me tu regardé, là? Tu tu vu comment c'était beau? Tu sais? <laughs> puis, <rire> ben, tu sais, je ne cadrais pas dans son. Dans, dans sa vision puis mmh. c'est correct tu sais moi je suis sûr qu'il a, a jamais même pu comprendre non que non. toi, tu te trouves belle ben, non. -là. ben non parce que pour lui non j'ai pas le droit ouais. de me trouver belle ben j'ai une affaire t'sais, moi je me tu moi je porte des vêtements flamboyants mmh. euh, j'achète des, des beaux vêtements Marcelle me dit de porter des trucs moulants pour justement mettre en valeur mes formes, euh, fait que moi, je ne vais pas me cacher en, en arrière d'un sac à patates parce que, mm. parce que toi, tu as un inconfort avec mon corps. Moi, je ne deal pas avec l'inconfort des autres. C'est ça, c'est ça, mon... Ça mon dire quelque chose à son enfant, justement, c'est, tu pas à dealer, à négocier avec l'inconfort de personne. Bâti ton propre confort, mm. puis après ça, tu l'inconfort des autres ça ne m'appartient pas. On pourrait le dire aux parents aussi oui. que le parent a ben oui. à s'ouvrir à l'inconfort que son enfant peut faire vivre possiblement aux autres. Ben non, c'est drôle, j'ai fait j'ai tourné une petite capsule avec Léo. Puis Léo devait me donner une note pour l'activité physique à la maison. Puis j'étais comme oh mon dieu, j'étais traumatisée de mes <laughs> cours d'éducation physique quand j'étais jeune, Genre, il va même me donner 1 sur 10. Ben non, j'ai eu 7 sur 10 parce que il dit, ouais, mais Guylaine, toi, c'est super important qu'on bouge. Tu on va marcher en famille, tu manges bien, tu ton corps, tu l'aimes. Mais ben, tu sais, que mon ado, que mon jeune adulte de 20 ans, autiste ait compris ouais. ça de moi, ça m'a tellement touchée, pour vrai. J'ai fait, oh mon dieu, ça transcende. C est, c est, je le vis tellement que je n'ai pas besoin de le dire. Exactement. Il vraiment ben, ça, c'est un, un très bon message pour les parents. que peu importe ce que vous allez dire à vos enfants, c'est ce qu'ils voient de vous, puis ce que vous intégrez, puis comment vous vivez votre vie, puis votre propre rapport à votre corps. Une mère qui dit toujours Mon Dieu, j'ai engraissé, puis mon Dieu, je ne mangerai pas, euh, euh, je vais manger juste de la salade. Bien, la petite fille de 9-10 ans voit ça, puis elle fait Ah, OK. Donc, c'est super important que les, mm. les femmes et les hommes aussi sachent ça. Puis ça fait que. On dirait qu'on s'auto-conditionne à ne pas mériter l'amour. Exact. Puis ça, pour moi, c'est d'une tristesse ouais. Quand Ou qu il tu y dis... a juste une façon ouais. d'être digne d'amour, puis c'est d'avoir ce corps-là, sais... cette personnalité-là. Ouais. Euh, moi, je je vais pas rentrer dans les confidences, mais j'ai jamais manqué d'amour. Puis hum. j'ai jamais manqué d'hommes qui ont aimé mon corps que j'aime parce que je l'incarne. Fait que c'est sûr que c'est plus attirant, pour quelqu'un qui fait waouh, wow, c'est quelqu'un qui s'aime faut pas sous-estimer l'ouverture d'esprit de l'autre. On a tous hein, Guylaine? On n'a pas de nom dans notre milieu. Oui. Des femmes super. Je veux dire, moi, tu ouais. de même, je me promène toute tout de tout suite. Là, je m'en fais mon ouais. tout nuit. Puis, dans les confidences, elle nous disait ah, oui. qu'elle n'était même pas capable de faire l'amour, la lumière mm -hmm. allumée. Ou... Puis là, tu fais, voyons, ça se peut pas. Tu sais, on, on, vraiment, on vous nomme pas de nom. Mais imaginez mais... les plus belles filles là que vous pourriez euh, euh, désigner là comme étant là, des tops. ben, il y en a beaucoup qui n'ont mmh. pas ce rapport-là de, 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 de joie avec ben leur corps. c'est de, de habiter son corps, oui. d'incarner son essence. Tu sais, c'est c'est tu sais on est qui? Jamais tôt, souvent les, 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 les femmes surtout c'est toujours remis à plus tard. Je vais m'aimer quand tu sais. Quand, quand, je, quand vais perdre, je vais perdre perdu ouais. quand, ouais. quand ouais. je je t'es fait... pas là-dedans dans le camp. Hein? Écoute, s'il avait fallu que je m'aime dans 10 livres, j'en ai perdu 20, j'en ai pris 30. T'sais, la vie a. Euh, As-tu. Est quand... as Est-ce euh, qu'on a voulu te faire maigrir, toi? Ben, euh, on n'a pas voulu me faire maigrir, mais euh, à un moment donné, j'ai maigri, euh, comme tout le monde. J'ai mangé autrement. Mais, tu sais, je reviens toujours pas mal au même poids. C'est sûr que quand. Mettons, on arrête de manger tel type de truc on bouge plus, ce que je fais dans la vie, mais quand c'est plus serré ou tout ça, bien, j'ai perdu du poids. Mais reste que, ça revient toujours. J'ai comme un poids, oui. ce que vous voyez, c'est comme mon oui. poids. Comme je reviens j toujours ça, moi, à Guillaume. ça. À un moment donné, j'ai trouvé un mot. Parce que tu sais, le poids santé, l'IMC. Ouais, ouais, ouais. J'ai fouillé, fouillé, là, ça fait peut-être dix ans. Là, je, fait, je trouve un mot là, qui me parle. Là. Ouais. Le poids fierté. Ah oui. Le poids fierté, c'est exactement ouais, ouais, ce ouais. que tu dis. C'est le poids auquel on, on revient tout le temps. Puis ben, on, oui. on force pas. Puis on ben l'a. Puis c'est ça. Puis le poids fierté, ça fait hum. que tu dis OK, c'est ça mon corps, moi. Puis ça va être ça. Juste ben, moi, que... je ne me pèse plus. Là, je vais être non. franche avec toi. J'ai une balance chez nous, mais je me pèse pas. Moi. Je veux le sentiment que j'aime, c'est quand je vais marcher, je fais ma marche nordique, là, été comme hiver, là, avec mes <laughs> paules, là. Puis j'ai vraiment, je suis pas élégante, là. Puis j'y vais, là. Puis, je, suis, puis je suis, rouge comme une tomate, puis, puis, puis quand je, après ça, je, je retourne chez nous, là. Ça, là, pour moi, là, c'est pas besoin de me peser. Mm. C'est mon corps qui fait comme, oui. wow, il bouge. j'ai été deux ans sans marcher, presque à cause de ma, ma blessure à la jambe. Et là tu sais je suis comme oh yes je renais, je bouge puis euh, j'aime j'aime tout ça tu sais c'est la peau douce euh, tu sais, j'aime mon corps qu'est-ce que tu veux puis il ben se transforme ouais. hein, le corps là, il est pas pareil comme euh, ben, non, mais on dirait que moi je m'en rappelle pas comme de, à 20 ans ou tu sais peut-être parce que j'étais moins c'est ton dedans, là. de ton corps ça. peu importe l'âge ça. Va toujours rester intact dans ton, dans ton état et dans ton esprit. On a des questions, ma belle Guylaine. Oui, on va répondre. Peut-être qu'on a des questions sur ton métier d'autrice. Si on n'en a pas, je veux vraiment qu'on oui, qu en parle. Oui. Louise, Louise qui demande Quelle a été votre impulsion pour l'écriture de votre premier livre? Ah, alors on parle de Deux garçons à la main, oui. qui a été mon premier euh, livre. Euh, ben, c'est vraiment parti de, de mon quotidien avec mes deux garçons autistes. Euh, puis, c'est euh, Jasmine Roy, qui est un ami euh, qu'on a en commun, qui m'a dit, « Guylaine, tu devrais tellement écrire un livre. Là, ta vie, c'est un sitcom. Euh, c'est vraiment rocambolesque. » Ça, ça fait dix ans, hein, je pense. 8, euh, non, ça fait, le livre est sorti en 2014. Ah oui, Ça fait, que ça 6 fait ans. 6 ans six est ans qu'il est sorti. Ouais. Et puis là, euh, il m'a présenté euh, son éditrice, euh, Joanne Gay. Puis, euh, bon, mais ben, c'est comme ça que... Ce, ce premier livre-là a vu le jour, mais tu sais, j'écrivais, puis là, j'étais là, Oh mon Dieu, parce que moi j'écrivais dans des magazines, mais tu sais, écrire... Euh 700 mots puis écrire euh, 30 000 mots c'est pas la même mmh. affaire <laughs> fait que là j'ai ah oh, ouais comment je fais pour euh? fait que tu sais ben je suis allée euh, moi j'ai vraiment l'écriture instinctive j'ai pas l'écriture douloureuse tu sais je suis pas là en train de euh, euh, tu sais ça ça, ça tu racontes ouais tu moi c'est anecdotique c'est imagé tout ça fait que l'inspiration c'est vraiment venu de, du quotidien avec mes deux garçons puis tu sais je pense que deux garçons à la masse ça a été comme un peu un. Euh, le départ de de ben des affaires t'sais, dans le sens où après ça on a un peu parlé plus euh, on a parlé un peu plus d'autisme euh, mon livre est devenu euh, euh, est étudié euh, dans des écoles secondaires par exemple pour des gens qui s'en vont étudier en, en éducation spécialisée fait, vraiment c'est une carte de visite par rapport je fais beaucoup de conférences mais à partir pour ça. de oui oui c'est ce livre là oui. hein, oui. oui, oui, tu faisais peu avant de conférences ben, là, ce livre là a vraiment re défini ma carrière ouais. en quelque sorte parce que là je devenais une autrice euh, je devenais une conférencière je devenais quelqu'un qui portait euh, une cause aussi puis euh, connaissait cette cause là pour la vivre au quotidien puis, étais capable ouais. de la communiquer oui, c'est ça de par ton exact. métier et oui. de... puis euh, les bons mots ouais. et je me souviens qu'à la fin de ce livre là tu formulais un ouais. souhait ouais j'aimerais que tu nous en parles oui, je pense c'est à la page 132 ou dans ce coin-là. C'est le chapitre sur l'avenir de mes enfants parce que quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, euh, ce qui nous euh, préoccupe constamment, c'est qu'est-ce qui va arriver quand nous on sera plus là, qui va s'occuper de nos enfants. Déjà qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup de Ça, c'est une préoccupation quand tu dis constamment, c'est oui. vraiment constamment. Ah, oui. Ben oui, c'est dire Oh mon Dieu, c'est peur. Oui, c'est une peur. Parce que nous, comme moi, j'ai un fils non-verbal euh, qui ne peut pas exprimer ses besoins par lui-même. Ben, sais, quand moi, je ne serai plus là. Quand, qui va lui faire ses pictogrammes? C'est ça qui va faire qui va imprimer ses pictogrammes, etc. <laughs> qui va faire son macaroni au fromage? Euh, pas beaucoup de liquide, c'est <laughs> des détails, mais donc euh, j'ai formulé dans mon livre, euh, j'ai dit « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour » et je sais que quelqu'un de très généreux va lire ces lignes et va m'aider à construire cette maison-là. Et il faut oui. vraiment que vous sachiez que quand Guylaine a écrit ça, c'était pas « Ouais, ouais, ça va marcher, c'est sûr euh, ». C'était vraiment… Oui, tu avais la avais foi que ça allait mmh. fonctionner, mais c'était vraiment pas fait, là. Tu sais, quand on dit une bouteille à la mer, ouais. c'était vraiment une phrase comme ça. Moi, j'imaginais une riche héritière qui me, qui me couche sur son testament, mais <laughs> après ça, j'ai appris que les successions, c'est très compliqué, donc on va oublier l'idée. Mais euh, c'est Véronique Cloutier qui a lu mon livre, puis qui, euh, qui m'a euh, appelé. Son assistante Roselyne m'a appelé pour me dire, euh, Véro, a lu ton livre, a lu cette phrase-là. Et euh, on, Véro et Louis vont mettre sur pied une fondation et on va construire des milieux de vie avec toi pour les personnes autistes, adultes, semi-autonomes, comme mon fils Clovis. Donc, vraiment, la, la fondation Véro et Louis est née de cette phrase-là dans Deux garçons à la mer, il y a six ans. Quand tu as rencontré Véro ouais. et Louis et que tu as su là, ouais. que ça allait avoir lieu, ouais. là. quand, quand tu as appris cette nouvelle-là? Ah, J'ai tellement pleuré, là. Je... Quand Roselyne m'a appelé, j'étais en voiture, je m'en allais signer des livres dans une euh, librairie en Outaouais. Il y avait une tempête de neige, Clovis en arrière capotait parce qu'il a peur des nuages. Puis bon. Et là, euh, Roselyne m'appelle, puis j'ai fait... J'étais comme... Je suis devenue engourdie de la face. J'étais vraiment complètement euh, ébaubie. Ouais. Puis j'ai raccroché, puis je disais à mon chum, « Chérie, j'ai été entendue. » Et ça, le sentiment d'avoir été entendue, pour un parent comme moi, là, ça ne s'explique pas. Si quelqu'un le vit, je pense qu'il peut comprendre, mais c'est tellement plus grand que moi, c'est plus grand que mes enfants. Ça s'appelle de l'innovation sociale. Qu'est-ce qu'on fait t'sais, On crée. Euh, là, on est en train de construire le premier milieu de vie à Varenne, qui va accueillir les premiers résidents euh, qui étaient censés être là, mais à mmh, cause de la mmh. COVID, c'est La maison a commencé retard... à être construite. Oui, ben là, elle finit, là est fini, Là, c'est fini. Là, est, est construite, mais là, à cause de la COVID, on a dû retarder l'entrée des premiers résidents, évidemment, pour tout ce euh, qu'on connaît, là, qui est arrivé. Mais tu. Donc tu pleurais, tu pleurais. Alors, moi, j'ai tellement. Ben j'ai pleuré, puis après ça, j'étais ultra joyeux. J'ai jamais signé des livres joyeuses de même. J'étais hors de moi de joie, mais d'avoir été entendue. Puis Véronique Cloutier, je, je la connaissais, parce que je l'avais croisée à Radio-Canada, mais on n'était pas des amis. Là. On ne se tenait pas ensemble. Là. Mais là, oui, parce que on fait de la radio ensemble, c'est devenu, euh, devenu une amie, puis je, 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 je l'aime vraiment beaucoup. Mais euh, c'est d'avoir été entendue, puis de mettre en lumière la réalité des familles comme la mienne qui vivent des, des quotidiens atypiques et qui vivent des vies atypiques et qui vont vivre des futurs atypiques. Donc, c'est vraiment un milieu de vie qui est adapté pour eux euh, et ça fait en sorte qu'ils vont vivre une vie heureuse. Donne-moi un exemple de milieu de vie adapté pour eux que nous, on serait surpris de savoir. Ben, c'est sûr que, par exemple, si mon fils Clovis, là, il n'y a aucune notion du danger. Okay, donc, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité, au niveau de, du personnel, au niveau de la stimulation, il, il va y avoir des gens qui vont être là euh, 24 heures sur 24, euh, évidemment pour faire les repas, mais pour, euh, par exemple, aller prendre une marche. Mmh. C'est des gens qui auront besoin d'accompagnement. Même si on vise euh, une certaine autodétermination, c'est-à-dire choisir pour soi-même, etc. Mais tu sais, c'est sûr que mon fils Clovis, il peut pas faire à manger ou il peut pas, euh, tu sais, il prend, il prend son bain puis je suis à côté, mm. tu parce qu'il y a une notion de danger. Donc... Quand on dit adapté aussi, c'est au niveau sensoriel. Les personnes autistes, souvent, euh, sont stimulées sensoriellement beaucoup plus que nous. Donc, la maison a été adaptée les matériaux, les couleurs, les pièces euh, sont, sont faites pour pas être euh, trop collées les unes sur les autres, offrir à chacun son espace. Mmh. C'est grandiose, la maison. C'est beau, là, parce que on voulait vraiment faire quelque chose de beau. Pour des personnes qu'on oublie trop souvent dans la société, à qui on donne des fois les restants puis les miettes. Mais nous, on voulait les mettre à l'avant-plan, à l'avant-scène puis dire « Ça, c'est pour vous, et c'est grandiose, et c'est beau. » Et c'est important que vous viviez dans un contexte comme ça. Souvent, on oui. va dire ben, « C'est pas important, il, il, il comprend, il comprend pas, pas, ou il parle pas. » Mais, tu sais, mon fils, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il comprend pas. Tu sais, il comprend ce qui se passe. C'est juste qu'il l'analyse peut-être pas comme moi, là, mais, mais re, son ressenti est peut-être 100 fois plus grand que le nôtre. Mm -hmm. ouais. Donc, il mérite d'être pris euh, oui, en, en je considération. Oui, puis je trouve que quand une personne dans la société où on vit, quand une personne n'est pas performante ou qu'elle ne rapporte pas des sous, ben, elle n'est pas importante. Mais ben, moi, ce n'est pas ça que... Mon, mon, mes enfants, ce pas des moitiés de citoyens, c'est des citoyens mmh. à part entière, puis c'est à nous tous de s'occuper des gens. Si on l'a vu pendant la COVID, là, les gens vulnérables dans les, CLH, les CHSLD qu'on a laissés depuis des années, tout ça, ben c'est ça que ça fait quand on ne prend pas soin des gens qui ont besoin c'est que ça dégénère. Mm. Puis moi, je veux pas ça. Il faut vraiment s'occuper. Il faut que toute la société soit consciente de ça. Ben oui, les gens ils font comme, ah, mais ben moi, je n'en connais pas de personnes autistes », Mais non, mais il y en a. Mm. Moi, je ne connais pas. Euh, moi, dans mon entourage, euh, je n'ai pas d'amis fumeurs, mais il y a sûrement quelqu'un qui se fait faire un pontage en ce moment même. Mm. Puis je participe à ça parce que c'est une société. Prendre soin des gens, c'est prendre soin des gens. Puis c'est pas choisir de qui on prend soin c'est de prendre soin de tout de, le monde de, des gens qui, ça. qui, ont, qui ont besoin puis de... puis moi j'utilise ma vitalité pour arriver à ça mmh. alors Louis j'espère que ça a bien répondu mmh, à la question qui était de quelle est l'origine de ce livre deux enfants à la mère une autre question pour toi Guylaine question oui. de Ginette bonjour Ginette comment Envisagez-vous l'avenir avec vos enfants le jour où ils devront vivre seuls? Est-ce que ce sera possible? Ben, je pense que tu viens oui. d'y répondre. Hein? Oui, ça, c'est pour Clovis qui va habiter une maison Véro et Louis. Pour Léo, qui lui est autiste, euh, qu'on dit euh, plus euh, hautement fonctionnel, euh, ben, lui, euh, il veut déjà avoir euh, une copine, euh, un appartement. Hein, donc, euh, c'est sûr qu'il y aura une certaine forme de supervision parce que. Il y a des choses abstraites comme payer le loyer, les comptes, puis ça, mais tu on travaille là-dessus. Mais Léo, euh, Léo c'est un, un petit gars, euh, ben, un grand gars, euh, très euh, euh, valeureux. Oui, puis il es Philosophe aussi. Il est hein. super philosophe, ouais. Léo. Il, ouais. un, pensée, euh... il y a toujours une pensée. Une façon de voir la vie qui ouais. est, très, il est très profond. Euh, si vous vous demandez comment ça se fait que je sais ça, c'est pas parce que je vais bruncher chez Guylaine tous les dimanches. C'est que Guylaine, elle est très, très généreuse sur sa page Facebook. Généreuse de tes petites euh, capsules de vie et on connaît ses enfants et tout ça. Donc, vous pouvez. Euh, Bien sûr. À, ton, Mon ton... Facebook, c'est Guylaine Gay. Oui. Voilà, c'est ma face. Facebook public, <laughs> fait, pas besoin de faire une demande. Non, 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 c'est public. Vous avez juste à vous abonner à ma page, puis je mets des petites citations de Léo à l'occasion. Oui. Julie, qui te dit, c'est pas une question, c'est un commentaire, elle, elle veut te dire, Julie, elle dit, « J'adore tous tes livres, Guylaine. Ton livre, Clovis, est toujours tenu a été le premier vidéo que j'ai fait parvenir à mes élèves du préscolaire. » Oh! En temps de pandémie, oui. elle lisait ce livre-là oh, au préscolaire. Ben, merci, Julie, wow. je suis très heureuse... Clovis c'est toujours tout nu, vraiment, il fait le chemin, ah, oui, oui, il, a, il a voyagé, puis c'est vrai que c'est un, un beau, un, un, un bel album. Est-ce que, une autre question de Julie, c'est peut-être la même Julie qui te demande, Guylaine, est-ce que tu as d'autres livres en projet d'écriture? Elle dit « J'aime tellement ta plume authentique ». Te lire me procure un réel plaisir. Alors, Julie, euh, le deuxième de la collection des Clovis euh, va sortir, était censé sortir en mars, donc a été, la sortie a été retardée. Va sortir euh, en septembre, Clovis a peur des nuages, donc euh, deuxième album, euh, qui celui-là? Dans chaque album, c'est une facette de Clovis. Comme celle-là, c'était euh, la sensibilité. Euh, Clovis est sensible, donc il sent pas les choses comme nous. Puis les vêtements, ça le rendait très inconfortable. Donc, c'était la, la prémisse de Clovis est toujours tout nu. Clovis a part des nuages. Bien, c'est que Clovis a vraiment une ultra-sensibilité au niveau de la pression atmosphérique. Donc, euh, on l'appelle notre petite Colette provenchée à la maison parce que quand l'orage s'en vient, euh, une journée avant, il se promène partout dans la maison the storm is coming the storm is coming we're all going die fait que, tu sais c est, c est, il se promène donc il est très 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 sensible puis il a, il a peur des nuages donc quand certains types de nuages euh, on, on peut quand pas sortir pleut, quand, quand il pleut c'est quand il pleut c'est déjà moins pire parce que là, là on dirait que la pression est, est tombée oui. c'est vraiment là dans, il y a quelque chose dans l'atmosphère il y a quelques qui... années quand il pleuvait il fallait que tu Oh, dans la salle de bain. Ben, je l'ai faite ouais. dernièrement quand il y a eu un orage. J'ai hum. presque un, 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 un set de, 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 de divans dans la salle de bain pour un passer des... Salle de bain. Ben, oui. Mais, euh, un livre où tu parles plus de toi, ah. euh, est-ce que tu es en projet? Un ben, livre inspirant pour les femmes? Je pense ben, bon, je, que... Je, je... Tu, -tu, tu, tu Je dis-tu, tu le dis-tu, je... tu le dis-tu, vais le dis -tu. J'aimerais écrire vraiment un truc euh, sur la bouffe, euh, un livre de recettes, mais pas juste des recettes. Moi, j'ai vraiment j ai, j ai une affection particulière à, à la. la j'aime les petits trucs plus raffinés, j'aime cuisiner, tout ça. Donc, euh, je travaille là-dessus, mais toujours, euh, tu sais, pour montrer euh, aussi que manger c'est bon. Tu sais, c'est pas juste oui. manger pour maigrir, là. Tu sais, c'est manger pour. Vivre là, mm. c'est ce genre de livre là. Donc, je travaille là-dessus. Quand tu là pas juste des recettes, il y aurait des tranches de vie. Probablement, et... ouais, parce que j'aime écrire, tu sais, ouais. et puis j'ai tellement d'histoires dans, tu sais, dans mon livre. C'est bon d'être moi. Il y a un chapitre au complet sur ma première salade césar, tu sais, mm. que j'ai mangé <laughs> dans un restaurant qui s'appelle l'œuf à mystique dans les cantons de l'est. Non, mais tu veux-tu plus? De rêve que ça. Tu sais. Puis la salade César dans le bol en bois, la petite gousse d'ail. Écoute, je, je revois le film et j'avais 17 ans. Tu sais. Donc pour moi, la bouffe, ça a vraiment euh, une grande place dans ma vie. Puis ça me rend heureuse. Et, que je travaille là-dessus. Puis évidemment, euh, il y aura un troisième Clovis aussi euh, euh, que je suis en train d'écrire présentement. Et puis euh, voilà, je, je c'est pas mal. Euh, je suis pas mal là-dessus, Julie, hein, mais je, je vous oublie pas euh, pour les livres euh, avec mon, mon écriture imagée. Ton livre « C'est bon d'être moi », c'est un oui. titre qui est tellement évocateur et euh, je crois que la plupart des maladies des, des femmes, mm -hmm. des, des êtres humains, aimeraient parvenir à, à l'affirmer haut et fort « C'est bon » d'être moi. Ouais. Toi, tu l'as affirmé dès que es oui. née, c'est bon d'être ouais, ouais, ouais. moi. Ah, oh, c'est un... Me semble que ce titre-là, là, je, je l'ai... Ce titre-là est vraiment sorti euh, un an après euh, Deux garçons à la mer. Et puis, j'avais vraiment le goût de, de, de parler de ça, l'estime, la, la, la beauté d'être unique, là, hein, tu sais, le fait Si de... t'avais, mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, là, ouais. mettons, là, tu, tu donnes un, ton top 3, là, de... On commence par quoi, mettons, s'il si, si, faut que tu nous donnes, c'est pas dans, dans le sens de nous donner une recette, mais c'est quoi, quoi les trois clés là, pour pouvoir un jour penser, dire, c'est bon, être okay. moi? Ok, alors, je pense que le plus important, c'est de dire « qu'est-ce que j'ai » au lieu de « qu'est-ce que j'ai pas ». Parce que « qu'est-ce que j'ai pas », c'est souvent « qu'est-ce que quelqu'un d'autre a », puis « qu'est-ce que quelqu'un d'autre a », on s'en sac, parce qu'on l'aura probablement jamais donc c'est de moi c'est de ne pas me comparer moi je me compare jamais tu sais des fois là je suis sur des plateaux de télé pour vrai là puis tu sais j'ai comme une genre de déesse de la beauté c'est comme présentement là comme là en ce moment <laughs> là pis là je fais comme wow ». puis la première affaire, je me dis hey, je pense qu'on va faire une belle photo à deux tu sais je me mets jamais comme ouais. oh mon dieu ça vraiment j'aime ça penser que on est comme sur le même, mmh. tu sais, je vois pas jamais d'inégalité. De ne pas se comparer, ça c'est pas se comparer, c'est mon un. Ouais. Deux, c'est miser sur ses forces, là. Tu sais, moi, j'ai un beau port de reine, puis je porte souvent des décolletés, puis des, des cache-cœurs, puis tu sais, j'ai une petite taille. Tu sais, allez-y avec ce que vous avez, là pas dans 10 livres, là, dans maintenant, là, en valeur. pas euh, dans 8 jours au gym, là, pas après euh, 48 heures de cassette d'aérobie, maintenant, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai maintenant, Tu me semble c'est un bon boost, là, pour. Euh... puis le troisième, c'est, euh... oh, moi je dirais manger des choses avec appétit, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui mange quelque chose avec appétit, puis qu'il ça... y a de la joie, pas juste nourrir le corps, mais ça, on dirait que ça nourrit l'âme. Mmh. Tu manger des affaires qui vous rendent comme, qui, tu sais, hum, euh, vivante. T'sais lequel, qu ce que ça fait là ouais. Tu <laughs> ça, ça, me donne. Un... Ouais, c'est ça. Est -ce que tout le monde peut un jour arriver à dire c'est bon avec moi. Je pense, je sais pas, parce que pas tout le monde. C'est mais... la portée de tout le monde ou c'est... Je genre... sais pas. Il y a des personnalités vraiment. T'sais, moi, je suis comme ça. T'sais, je ne pourrais jamais dire à quelqu'un, sois joyeux comme moi. T'sais, même que des fois, je me fais reprocher. Des fois, quand je suis en, en conférence, il y, y a des parents qui me disent hey, Moi, là, ça m'énerve que tu sois de bonne humeur demain. Moi, je ne serai jamais de bonne humeur demain. <laughs> ben, ça tombe bien parce que tu n'es pas moi, c'est toi. Ben, je sais qu'il y en a qui. Ça... Mon livre, c'est bon d'être moi. Dans un, un salon du livre, il y a une dame qui est venue me voir pour me dire Je déteste votre titre, c'est prétentieux. Puis comme ah ben boudez votre plaisir madame moi j'adore mon titre puis j'adore moi fait que tu sais mm. mais ça, ça encore ça a une connotation ça accroche euh, tu sais de dire ben moi je m'aime tel quel mais ben, on dirait que m'aimer tel quel, c'est confrontant parce que ça veut dire que tu n'auras pas eu à donner ta petite opinion sur ce que je devrais changer ouais. parce que je m'entorche de Qu ce que tu penses. Tu sais, mm. que les gens, c'est confrontant parce que je ne les, je les inclus pas dans mon bonheur. Mm. Je ne les inclus pas dans moi décider que, que j'aime Ce qui est confrontant, c'est que tu ne réponds pas. À ce que tu devrais répondre ben socialement? Non, parce que tu se pas de t'aimer, tu serais pas supposé de, ben de dire ben c'est Moi, bon je ne me suis moi. pas laissée conditionner parce que j'avais une tête de cochon. Mm. Quand j'étais jeune, moi, j'ai décidé que à 5 ans, le petit léopard moulin, le petit léotard moulant et la tute budden je trouvais ça cute. Je, tu sais, je, mm. On dirait que je suis faite exactement pareil, les mêmes grosses cuisses, je suis faite pareil comme à 5 ans. Puis c'est ça, j'ai peut-être pas laissé. Euh, les autres décidaient pour moi, tout simplement, mais c'est ma personnalité. Mais tu sais, personne ne peut le vivre de la même façon. Quelqu'un, j'aurais peut-être une jumelle qui serait pas du tout. Ma soeur et moi, là, on n'avait pas du tout la même personnalité, puis on était élevés par les mêmes mmh. personnes. Tu attribues ça à quoi? Tu parlais de ta foi, tu parlais de te, que quand tu étais petite, tu avais comme une dimension euh, ouais. au-delà, de, de, une connexion spirituelle. Ben, je, moi, je pense sincèrement. Ben, je me trouve immensément chanceuse. Tu sais, j'ai vraiment la gratitude, moi, euh, à broil. Tu sais, j'aime ça, moi, la gratitude. <laughs> J'adore ça, Guylaine dit. J'ai vraiment la gratitude à broil. Oui, mais tu sais, je suis tout le temps comme, euh, tu sais, je lève souvent mes yeux au ciel. Moi, je, je, moi, j'ai été choisie. Je sais que j'ai été choisie quand j'étais monitrice à l'auberge du petit bonheur. Je prenais des marches, j'étais monitrice avec les personnes âgées que j'adore. Et à tous les jours, je prenais une marche autour du lac avec mes personnes âgées. Tu une... jeune oh, j'avais peut-être 19 ans, je okay. te dirais. Puis il y a une madame à un moment donné, qui m'a pris comme ça par les bras, puis qui m'a regardée dans les yeux, puis qui m'a dit Toi, là, toi, là, t'es vraiment sur la terre pour quelque chose de doux. Il y a comme de quoi dans toi qui fait qu'on sent bien. T'sais, moi, je n'ai pas peur de dire à, à une autre fille, hey, tu es vraiment belle, ou tu es vraiment beau, ou, moi, qu'est-ce que ça m'enlève à moi euh, Rien. Tu fait que mes amis, j'aime ça, que les gens se sentent bien. Quand j'étais au primaire, en deuxième année, j'ai été élue duchesse de ma classe à l'école Notre-Dame-de-Lourdes. Puis là, il fallait que je me trouve un, un prince pour être sur le char allégorique. C'est à la rue Wellington, à Verdun, hein, les belles années. Et là, <laughs> là j'étais allée chercher le petit gars à qui personne parlait. Puis il est devenu mon prince. Puis on était les deux sur le char allégorique. Puis, je me rappelle, je le regardais du coin de là. Puis il était fier. Écoute, moi, là, ça, ça me réjouit de voir le beau chez le, le monde. Quand cette femme-là t'a prise par oui. les bras, puis elle t'a dit tu as T'as été choisi. Elle a dit as été choisi. Toi tu es, es comme un, une passoire à bonté. Puis j'ai fait ah wow, c'est beau. Puis, tu sais je le demande pas, je le commande pas, mais c'est comme ça. Puis c'est vrai que je, tu sais c'est rare que je, je dis jamais ça de quelqu'un. Hey quelle épouvantable personne mmh. Ou, on dirait que j'essaie toujours de ben oui mais tu sais oui mais elle a peut-être vécu ça même quand lui, tu te fais ou... insulter. Oui sur ton parce sur Facebook que... tu dis Oui. Je Qui, mange que je dis. <laughs> Alors, dis Qui mange un char d'amour, c'est ça que je dis. Qui mange un char d'amour hein, ça dit ce que ça dit parce que les <laughs> gens sont pas gentils des fois sur les réseaux sociaux <laughs> Alors, je me suis fait traiter de grosse malpropre pas plus tard qu'hier. Ah. Mais bon, les gens sont un peu à cran là, on va se mmh. le dire, calmez-vous sur le réseau social là tout le monde là. Commentez rien, ne lisez pas les commentaires, n'allez pas lire les commentaires mmh. sous les articles, ne faites pas ça, passez à votre santé mentale de grâce. Mais les gens sont à cran et tout le monde, on est dans un. Tout le monde veut mettre son grain de sel, tout le monde va avoir raison. Oh, moi, je ne participe pas à ça. Tu jamais es trop... embarqué. Non, euh, non, mais par contre, les gens, comme il y a des gens moins gentils, je leur souhaite toujours de l'amour parce que je me dis toujours y en ont manqué, clairement, ou envers mm. eux-mêmes, ou ils en ont pas reçu. Peut-être que tu as besoin d'amour, tu as besoin de, de consulter. Je ne sais pas, il y a des gens qui vivent des détresses aussi. Ouais. Là, ça, il ne faut pas as minimiser. Tu parlais de santé mentale. Oui. Ta santé mentale, toi? Ah, oh, ça, ça va. Moi, quand ma santé mentale va pas bien, je le sais tout de suite. J'ai un problème de glande thyroïde. Donc, euh, c'est sûr que des fois, il faut que je surveille ça. Parce que, tu sais, si je ne vais pas assez à l'extérieur, si je ne fais pas assez d'exercice, euh, je peux être euh, plus euh, fatiguée. De, ouais. Ou plus euh, ouais, plus sans, Parce que moi, je suis une hyper sensible. c'est sûr que tout me rentre dedans comme une tonne de briques, mais, mais ma santé mentale va bien. Mais quand ma santé mentale va pas bien, moi, je consulte ou je, je demande de l'aide. Quand ma soeur est décédée, j'ai consulté. Je suis allée demander de l'aide à quelqu'un qui se spécialisait dans les deuils traumatiques. T'sais, moi, j'ai ça. ça je... Est-ce que ça t'a déjà fait peur? Non. De, de dire je vais basculer ou... ben, j'ai déjà fait une grosse dépression nerveuse quand j'étais jeune. Là, fait que je pense que ça va vraiment euh, toucher le. Euh, dormir en boule euh, à 25 ans euh, dans le même lit que ma mère, euh, manger euh, t'sais, je mettais tout dans un blender parce que j'avais peur de m'étouffer et de mourir en mangeant. J'ai vraiment ça, je l'ai atteint. Maintenant, je connais la, la, comment c'est mince le mm. fil entre l'équilibre et perdre pied. Tu l'as compris, ça? Euh, quand ah, oui. tu as perdu pied, tu as compris? Ah euh, oh, oui, moi je. Je ne pas la cause, mais. Ça parce me dérange pas. Je ça intéressant que tu en parles. Ouais. Parce qu'on peut dire, bon, ben elle est née de même, elle a de oh, bonne non, humeur. Non, 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 non. Non, mais je ne suis pas gênée. Moi, je suis allée à l'École nationale de l'humour euh, en 1994. Et puis, euh, à la fin de l'année, euh, ça a été une année qui a été très difficile pour moi. J'étais super bonne, je suis super drôle, sauf que c'est très compétitif. Puis moi, ça a un peu... Euh, ça m'a déréglé dans mon système de valeurs profond. Et puis, euh, j'ai fait une dépression quand Qu je, dire, Bien, moi, je, moi, je suis sortie de Qu'est-ce que tu veux dire, système de valeurs profond? Ben moi, je ne suis pas quelqu'un de compétitif. Je ne suis pas quelqu'un qui veut nécessairement être meilleur que les tout autres. tasser les moi, autres. Moi, je suis plus bon. coopérative. Je suis plus tendre la main ici. Mais là, tu sais, le contexte était... Juste, les gens avec qui j'étais étaient sympathiques et tout, mais moi pour moi c'était très c'était exigeant de toujours devoir être euh, super performante mmh. puis être meilleure que quelqu'un d'autre un peu comme cette game là j'étais un peu de, à quoi. côté de moi-même pour être bien franche mais tu sais j'étais bonne puis je me forçais puis tu je, je performais quand même mais moi, si je sortais des camps de vacances, là, c'était pas. Je n'étais pas habituée à cette faute. Remettons-nous dans le contexte, il y a plusieurs années. Oh, il n'y avait pas, pas de filles. Euh, pas beaucoup de dehors, filles, on en voit beaucoup. Puis, là. Mais en même temps, je, je mets ça. C'est la faute à personne, hein, C'est moi. Dans ce contexte-là. Donc, tu ressors puis, de l'école de puis tu, tu tu bascules? Oui, ben j'ai eu aussi un arrêt de grossesse. Fait que j'ai fait un. J'ai fait une dépression post-partum sans le savoir, puis ça vraiment, ça s'est transformé en dépression majeure. Et là, je suis retournée vivre chez mes parents, j'étais agoraphobe, j'ai été vraiment un an là, où est-ce que je, je me donnais comme mission de marcher jusqu'au coin de la rue et de revenir, et ça m'a pris exactement un an à le faire. T'sais, là, on parle d'une fille qui fait de la scène, qui est dynamique, qui est de bonne humeur, à une fille qui complètement, je ne me reconnaissais pas. J'ai dit à mon père, je me voyais plus dans le miroir, tu sais, c'était vraiment. Puis là, ça ça fait 27 ans de ça. Puis quand j'étais allée voir mon médecin de famille, elle m'avait dit "Ah, oh, mais l'anxiété là, tout le monde en fait dans ta famille, tu as juste à te mettre une débarbouillette d'eau froide dans le nuque, puis ça va passer." Bon, ben ça n'a pas passé, ça a duré un an, puis c'est vraiment, j'ai fait des lectures, il euh, n'y avait pas Internet dans ce temps-là non plus, donc euh, je me suis vraiment... Si on m'avait offert de prendre des médicaments à ce moment-là, c'est sûr que j'aurais pris des médicaments, mmh, mmh, mais mmh. c'est pas ça, on m'a plutôt conseillé une euh, débarbouillette de hein? as Tu eu peur? Euh, oui, mais ben, je n'étais pas suicidaire par contre, mais j'ai eu peur de jamais revenir, de jamais, puis tu sais, quand tu as eu, quand tu t'es connu libre, et euh, en santé avec une santé mentale euh, puis une joie de vivre puis que tu te ramasses de l'autre côté dans la noirceur puis que je m'endormais le soir en me disant j'aimerais juste redevenir comme avant puis que ça n'arrivait pas puis à un moment donné j'ai fait bon mais ben, je pense que ça va pas arriver que je vais redevenir comme avant mais je... toutes les petites victoires vont être et là j'ai commencé à marcher parce que je j'étais plus capable de sortir de la maison là c'était vraiment à ce point grave. Et je m'étais donné comme objectif d'aller m'asseoir. Il y avait un arbre là, sur, le, sur, le, sur le coin de la rue. J'ai dit si j'arrive à aller m'asseoir comme par terre à côté de l'arbre avec un livre, puis j'ai commencé à écrire. J'ai fait une liste de tout ce qui m'avait rendue heureuse dans la vie. Puis j'ai vraiment, j'avais un cahier plein, puis je le relisais. T'as 25 dit, ans là Oui, j'ai 25 ans. Puis j'ai dit. À force de redire à mon cerveau que le bonheur existe ou que la liberté existe, peut-être qu'il va comprendre que. Là, j'ai commencé à, à me parler, comme à. Je me suis auto j'imagine. Puis bon, aujourd'hui, euh, je, je, je l'anxiété, c'est du passé. Euh, mais tu sais, ça a pris un bon deux ans, pour vrai. Puis après ça, j'ai recommencé à faire des spectacles. Je pensais jamais que ça arriverait. Mais tu sais, personne ne savait. Puis tu sais, on ne parlait pas de ça il y a 27 mm -hmm. ans. T'sais que qu'on a fait une dépression non, majeure il n'y ou... avait pas non plus d'aide ou il y avait pas de ben, il n'y avait pas de ligne téléphonique il ouais. avait pas de tu sais je suis allée au CLSC puis tu sais c'était pas ça d'où l'importance d'en parler comme tu oui. le fais là puis comme ben, moi, pas plusieurs moi je personne le font. parce que ben, ouais. si ça arrive à quelqu'un qui nous ben, écoute oui. va dire hey attends un peu là je suis pas euh... ben je suis pas gênée puis les gens les gens comme tu disais pensent souvent ah oh, mais toi tu es tellement heureuse que euh, non non tu hmm. moi là j'ai dormi dans le creux de bras de ma mère à 25 ans, là, en ne me reconnaissant plus. Puis, tu j'avais pris beaucoup de poids parce que je, je sécrétais tellement de cortisol que mon corps avait vraiment, là, j'étais vraiment euh, autant difforme du, de mon corps que dans ma tête. Mmh. Mais, c'est tu quoi? Ça a divisé ma vie en deux. Avant, Avant la dépression, après, après la dépression. Et que maintenant, quand je sens que ça tangue un peu entre les deux oreilles, je l'identifie, puis je, je, je consulte. Puis, tu sais, j'ai peur de rien. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'ai fait plein de thérapies alternatives. Moi, j'adore ça, découvrir. Ah ben que... oui, avancer. Puis, puis moi, euh... je suis un, un, un accessoire. Je un laboratoire. Fait que moi, je suis moi, à l'aise avec tout ça. Nommer les choses, les vivre, puis Allez les, les partager. Aller au fond des choses ah, oui. pour pouvoir oui. avancer. Oui. Moi, là, j'ai dit... Quand j'étais en dépression, c'est que j'avais développé une peur de la mort. J'étais obsédée par la mort. J'allais mourir, mais pas. J'avais aucune idée suicidaire parce que j'avais peur. Mais je sais que j'étais. C'est comme si mon esprit était devenu noir. Mm -hmm. C'est comme, comme ça que je le vois. C'est dans le temps d'un référendum. Je me rappelle des affaires à télé, mais c'est tout biaisé, tout ça. Mais et un jour où j'allais vraiment pas bien, j'ai décidé avec une amie, elle s'en allait en Colombie-Britannique euh, en auto. Puis elle me dit « Est-ce que tu viens? » Mais moi, je n'avais pas dit à mes amis que j'étais... Moi, je n'ai pas vu mes amis pendant des mois et des mois. Puis là, dans ma tête, j'ai dit « si tu es capable d'aller en Colombie-Britannique dans cet état-là et revenir de là, ta vie va bien aller. » Et je suis allée en Colombie-Britannique en auto Écoute, je m'en rappelle, c'est quelque chose, mais voilà. Moi, c'est comme ça. Mais là, c'est il y a 27 ans. C'est avant que tout ce qu'on connaît qui peut hum. aider. Mais, t'sais, j ai j ai tôt, tu sais, j'ai essayé le es truc de la débarrasser. Si je réussis ça. Ouais. Je vais avoir d'imprégner en moi pour le reste de mes jours ouais. ce sentiment-là que je vais toujours pouvoir oui. trouver de la lumière. Oui, de retrouver ma liberté, de m'affranchir mmh. de la noirceur. Thème qui revient hein, quand oui. tu étais petite, la liberté, oui. le, le ouais. sentiment ouais. du possible. Ouais. Guylaine, en terminant, oui, je vais te demander de parler à nos... Téléspectateurs, téléspectatrices, oui. même si on n'est pas à la télé, ou personnes oui. qui nous écoutent présentement, oui. j'aimerais ça que tu leur laisses une empreinte. Tu viens de le faire pendant une heure et demie. J'aimerais ça que tu choisisses une phrase où un, je te donne comme une minute, une minute ah. et demie, comme pour nous donner l'essence de ta philosophie de vie. Puis ce qui fait que tu. Que tu es là, que tu es solide et vulnérable à la fois et que tu es mmh. Guylaine, puis que tu continues, puis que tu as 51 ans, puis que de, de l'année prochaine, tu vas en avoir 52. Puis je veux que tu nous donnes de toi dans cette minute et demie-là. Ben, moi, il y a une phrase qui m'accompagne vraiment depuis, euh, depuis euh, une thérapie que j'ai suivie il y a quelques années. Et je pense que ça peut aussi euh, euh, vous toucher et c'est la toute la phrase toute simple qui dit « accepter l'inconfort ». Et ça, pour moi, vraiment, ça m'accompagne. Hein? Des fois, dans les situations au quotidien, ou même euh, quand il y, y a quelque chose qui s'en vient de plus gros, quand j'ai un certain trac ou quelque chose pour euh, un tournage, je, je me je reviens en moi, puis je me dis, puis je me parle un peu. Bon, là, Guylaine, moi, je me parle pas mal. Puis je dis, Guylaine, accepte l'inconfort. Puis vraiment, c'est une petite phrase, mais qui m'accompagne... À tous les jours, je me dis ça, Guylaine, accepte l'inconfort. Puis ça m'accompagne. Ça... Ça de ne pas avoir, finalement, des standards de, de perfection, puis de non. savoir que l'inconfort, ça fait partie de la vie, puis que c'est bien beau, puis c'est bien correct. Mais quand puis... il est nommé l'inconfort, mmh. c'est que tu arrêtes de spinner. C'est ça l'anxiété. C'est quand tu ne veux pas vivre de l'anxiété. C'est là qu'elle arrive, la petite sournoise par en arrière. Accepter l'inconfort, c'est comme. C'est comme juste se, se braquer en soi-même, puis dire, ben, c'est ça qui arrive, puis mmh. qu'est-ce que je fais maintenant? Et de ne pas avoir d'attente irréaliste. Ça, pour moi, c'est bien important, c'est de faire les, les trucs à notre portée, puis les faire comme nous, on veut avec qu'est-ce qu que nous, on est. Merci, Merci. beaucoup, Guylaine. Merci, Merci infiniment. Une créatrice de vie, créatrice de joie, créatrice de, de splendeur. Euh, autant au niveau familial que personnel, que social, euh, que euh, un rayonnement, as un rayonnement très, 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 très large. Je t'en remercie. Je te remercie d'être toi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Marcia. Je t'aime. Ah, oh, je t'aime aussi. Vraiment. Merci, tout très beau, monde. très émouvant. Euh, on va faire tirer deux livres pour toutes les personnes qui euh, appuient sur j'aime. Donc, euh, qui, qui, qui qui like euh, en bon français. On va faire tirer deux livres, Clovis. Clovis euh, est toujours tout nu. Alors, euh, la bibliothèque va vous appeler pour vous dire euh, si vous êtes euh, l'heureuse ou l'heureuse euh, personne qui aura ce livre-là entre les mains. Puis, même si vous n'avez pas d'enfant, lisez-le. C'est votre cœur d'enfant qui va recevoir ce livre en plein cœur. Euh, ben je, Moi, j'aime toujours, toujours, toujours ces rencontres euh, parce que c'est. Tu sais, Guylaine, tu dis qu'il y a eu un avant et un après dans ta vie. Moi, à chaque rencontre, il y a un avant et un après dans ma vie. Je ressors, puis je pense que ça vous fait aussi le même effet. On est comme une meilleure personne parce qu'on a rencontré une personne qui nous a ouvert euh, son cœur, ouvert son âme. Puis ça, ben, c'est rare des moments comme ça. Puis je suis très heureuse de partager ça avec vous. Et je remercie beaucoup, euh, Guylaine, je te remercie encore. Je veux vous dire que le 6 le 6 octobre, oui, le 6 octobre, c'est le fun. Un instant, il faut que je trouve mes cartons. Bon, le 6 août, donc euh, 6 octobre. Ah, ah, non, mais ça, c'est quand même un effet post-pandémie, post-confinement. Hein, les, le, le, les jours, les mois, les années, on, on vient qu'on ne sait plus le 6 août 2020 donc dans deux semaines l'invité c'est-tu dans deux semaines le 6 août? dans trois semaines dans trois semaines d'habitude sur deux semaines mais là c'est aux trois semaines donc 6 août, 19 h l'invité qui sera assise là où Guilaine est assise présentement ce sera Marie La alors on vous invite à être là en très grand nombre et ensuite on va terminer cette belle saison de sur euh, la terrasse avec Pascal Ouillelmy, et ce sera le 20 août. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Puis sachez que si vous voulez que quelqu'un d'autre qui n'était pas là ce soir voit cet entretien, bien, il va être en ligne encore pour plusieurs jours. Merci beaucoup. On se retrouve le 6 octobre, non, le 6 août.